Et bonjour à vous, bienvenue sur ce stream. Aujourd'hui, eh bien, on va continuer un petit peu l'aventure Zelda, Echoes of Wisdom. On va reprendre où on s'est arrêté la dernière fois, il y a quelques jours. Donc on était, je crois, vers les eaux de Jabul. Et on va se remettre un petit peu dans le bain. Voilà, on est dans la baie Zora. Je sais plus ce qu'on faisait, mais je sais qu'on devait trouver quelqu'un. Alors, on va faire un petit tour sur la carte déjà. Voilà où on était. On avait trouvé ici un... Ah oui, le domaine Zora. On y était allé à l'intérieur, je crois. On va regarder dans le journal ce qu'il nous dit déjà. Depuis que la faille s'est ouverte au grand Jabu, un puissant esprit protecteur de la région, est déchaîné. Son repère se trouve de l'autre côté du pont, à l'est du village. C'est aussi par là que Tri a aperçu la grande faille. Donc là, on a le pont. Et voilà, c'est par ici que ça va se passer. Donc on va explorer un petit peu par là, hein. On a un bar à smoothie, on va pouvoir se faire un petit peu des trucs. Je revois un petit peu les commandes. Pardon. Alors, on va se fabriquer des trucs qui permettent de nager plus vite. Ah, c'est peut-être ça, ça pourrait être pas mal, tiens, d'en avoir deux. Les deux. Hein. Ah, on peut en mettre un troisième. Non? Ah non. Bon. J'ai déliré. Ah, smoothie Aquario aussi, c'est le même en fait. Ça. Faut que je fasse attention au nombre de rubis qui me reste. Smoothie Aquario, pareil. J'ai rien changé les trois là. Des petits trucs, plus une popo. Il va pas se battre mon truc hein. Ah
sortir les machins à massue, même si je suis. Hop là. Des tables. Salut Sayajin, bienvenue. Et bah écoute, ça va bien. Ça va bien, toi, je reprends un petit peu le Zelda qu'on a commencé l'autre jour. Entre d'autres parties d'American Truck. Non, y'a rien. Je sais pas si. Ah, pourquoi pas. Je vais pouvoir monter plus, de toute façon. Il y aura sûrement des trucs ici, mais je sais pas avec quoi je vais le faire. J'espère que tu vas bien. De ton côté. Ah, attendez, on peut passer là. Et donc voilà, on reprend un petit peu le Zelda, je pense que je vais essayer de l'avancer une fois par semaine, à moins que j'ai l'occasion d'y jouer plus. Mais comme en ce moment, on alterne pas mal avec American Truck Simulator, avec hier on a fait un peu de Ara Untold History. Donc un peu stratégie, un peu de simu. Et un peu de rétro aussi, voilà, je pense que la prochaine fois que je ferai du rétro, on sera sûrement sur l'Amiga. Donc voilà, du coup, on prend le temps de finir les jeux. Ok, donc là on peut déjà entrer. Hein. Oui, j'avais vu, tu es sur mon continent, mais du côté virtuel. Eh oui. j'aimerais bien rouler au Québec, mais pour l'instant, avec la dernière version de ATS, je suis obligé d'être. Voilà, on est plus en Amérique. Du Nord qu'au Canada. Mais il y a des trucs qui existent, hein, des trucs, des modes type pro mods et puis des cartes. Mais j'ai essayé certaines et ça fonctionne pas en fait. Là. Le truc c'est qu'il y a une mise à jour assez récente et du coup, faut attendre que pro mods se mette à jour aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore le cas. Ça serait tardé. Alors, il vaut qu'on s'en approche de plus près, mais on va aller voir d'abord un peu sur le côté là. Je connais lui. J'arrive pas à le soulever plus. Oh merde, c'est une table, je crois. Sortons le mobline. Oh, petit cœur. J'accepte. Par contre, ils ont un peu leur permis dans une pochette. Surprise versus la France, par exemple. Quel niveau l'IA ? L'IA roule mal. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir, mais... C'est pas très grave. Ah, tiens, une petite grotte, on va y aller. Pour les vrais routiers. Ah. Alors attendez. Ne pas stimuler les nitro-poissons. Vous savez qu'on en a d'autres des poissons, nous. Hein. Je crois que j'en ai des poissons. On va leur envoyer des poissons pour voir. Les piranhas des sables. Ça se trouve, ça fait mal, ça. Mmh.
Il l'attaque pas ou quoi? Ah mais non, il meurt dans l'eau. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce piranha là? C'est bizarre non? Ah bah je l'ai tué. Je l'ai tué, je sais même pas comment. C'est bien en tout cas, tu varies les plaisirs vidéoludiques. Ah bah oui. Il faut. Après j'essaye d'avoir un stream un peu plus régulier aussi là parce que c'est important, voilà, j'ai même des vidéos à faire, des trucs à préparer, justement pour faire un peu la promo de mes bouquins. Mais ça va arriver, chaque chose en son temps. En son temps. Il y a une porte à ouvrir, hein, mais pour l'instant je vois pas. Je crois que j'avais pas vu ça. C'est pas mal. On peut le récupérer encore. Oh là, il est énervé lui. Sur ce jeu pour l'instant, bien sûr. Écoute, moi je trouve que c'est un excellent Zelda. Alors j'ai pas fait le remake hein, du Link's Awakening, parce que c'est un jeu qui est encore un peu trop présent dans ma tête. J'avais quand même fait la Solus pour Nintendo Player à l'époque, donc j'ai pas été tenté de l'essayer, parce qu'en fait on a le même moteur graphique Ah, comment on fait ça là? On a le même moteur graphique hein, apparemment que Link's Awakening, mais franchement, je le trouve excellent, vraiment très très bon. Bon là, ça va pas le faire là. Et j'ai pas de bombe là en fait, il nous faudrait une sorte de bombe. Hein. J'ai pas encore de bombe moi en fait. Peut-être qu'il faut le faire après le donjon celui-là. Donc ouais, pour l'instant je trouve que c'est un... Ce que j'ai vu des donjons, je trouve très très bon. Je trouve vraiment excellent. Très inventif, très malin. Très varié au niveau du gameplay aussi. Alors parce que j'ai toujours un peu peur moi sur les jeux Nintendo maintenant. Que malheureusement, ça, c'est pas que ça dure pas, mais qu'on ait un gameplay malgré sa variété qui se renouvelle pas. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas qu'il se renouvelle pas, c'est-à-dire que qu'on n'ait pas forcément le temps d'exploiter les types de gameplay. Par exemple. Je sais que dans les Paper Mario, c'était ça, il y avait des très très bonnes idées. Et t'avais qu'une hâte, c'était que le jeu te laisse un peu tranquille, te donne des énigmes à résoudre à travers tout ce que t'avais appris en fait comme gameplay. Et souvent, ça le faisait pas. C'est-à-dire que voilà, on te montre des mécaniques de jeu qui sont excellentes. Et puis, petit à petit, on revient jamais sur ces mécaniques-là. Ce qui fait que, voilà, on te donne un truc à goûter, et puis finalement, derrière. Ça va jamais plus loin que ça, quoi. Oui, le même moteur, c'est ce que certains regrettent, mais bon, c'est la mode de la critique facile. Non, moi, je vois pas comment on peut regretter ça, puisque on a, justement, pour le coup, on a un Zelda 2D, et j'en parlais justement l'autre fois quand je parlais de ce jeu, je me disais, moi, je veux bien qu'on me fasse tous les 3-4 ans, tous les 3 ans, parce que un moteur comme ça, quand t'as juste à écrire, en gros, une histoire et fabriquer des donjons, des sanctuaires et tout ça, moi je veux bien qu'on en fasse un tous les 2 ans. Hein. Un tous les 2-3 ans max, tu vois. C'est sympa hein, d'avoir un Zelda nouveau, mais bon, faut attendre 7-8 ans. Là, quand t'as un truc qui roule comme ça, tu peux décliner, c'est pas grave, on s'en fout en fait.
graphiquement, on peut changer, on s'en fout du moteur graphique, à la limite, ils sont pas obligés de tout refaire. Ils ont à la limite quelque chose qui nous permettrait d'avoir un bon jeu à l'ancienne tous les 2-3 ans au lieu d'attendre presque une dizaine d'années. Bah oui, moi j'achète, hein. Il n'y a pas de problème. On peut y aller là. Alors. Cheval de rivière, l'hippocampe. Donc là on a des popos. On va en acheter encore une. Ah. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh. Ah. Oula, c'est 350. Mmh. Oh. Ah. Oh. Est-ce qu'il veut me passer quelque chose? Je veux bien manger, moi. On va essayer d'aller dans le donjon, hein. On va pas se... On va y aller direct, hein. Je sais pas d'ailleurs si on aura accès, hein. Voilà. Ah ouais, il y a encore des boutiques là. Ah, puis il n'y a pas que des boutiques, il y a encore d'autres persos. Ouais. Mmh. Ah bah tiens, on a un truc là. Ça va être lui, Drad. Salut, Naino. Nayono, pardon. Tu joues plus à Minecraft? Le mercredi. Le mercredi est sur YouTube. Voilà. Et puis bah là, je reprends un petit peu le Zelda, puisque voilà, je fais du stream aussi sur le Zelda. Je pense que je vais en faire peut-être une fois par semaine. Ou deux max, parce que j'ai d'autres jeux que je traite aussi en stream. Et donc voilà, puis ce Zelda, bah, il faut le faire. Il est très bon, hein. J'en parlais à l'instant avec Saiyajin. C'est un jeu... Voilà, je le dis et je le répète, hein, c'est... On veut d'autres jeux comme ça, hein, Nintendo. Vous pouvez garder le même moteur et puis vous faites une nouvelle histoire tous les deux ans, il n'y a pas de souci. Hein. On est preneur. J'avais refait Link's Awakening à l'époque et le remake il y a quelques temps et ça a été très plaisant. Bah, faudrait peut-être que j'essaye le remake. Après, voilà, c'est vrai que moi, Link, étant donné que j'avais fait la Solus à l'époque pour Nintendo Player, j'en ai bouffé quoi, du Link's Awakening. Donc j'étais pas trop tenté, tu vois, je suis pas trop au remake. Comme, même si je vais faire un peu de rétro sur la chaîne, mais ça va être plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui les ordinosaures. L'Atari ST, l'Amstrad, l'Amiga, voilà. Des machines qui m'ont un peu marqué quand j'étais plus jeune, pré-ado et ado, quoi. Voilà. Sinon, c'est vrai que je suis pas trop à rejouer à des jeux que j'ai poncés il y a 30 ans, 20 ans, moins. Il y a tellement de bons jeux, en fait, indés, qui existent aussi, que même si c'est hyper plaisant de rejouer à certains titres, je sais pas si j'y rejouerai autant. Alors, les jeux sur ordi, c'est un peu différent, là, on parle vraiment, c'est vraiment une autre époque.
Les jeux étaient conçus de manière un peu différente. Et parfois pas mal buggés, tu vois. Il y a des gens, ils sont un peu nostalgiques du physique. Mais quand tu regardes les jeux de ces années-là, hein, du début des années 80 jusqu'au début des années 90, des fois c'est un peu rude. On remarque surtout que les gens hein, qui défendent corps et âme le physique et le rétro, ça reste souvent sur en fait les premières consoles un peu grand public, hein, la NES, la Super Nintendo et puis après quoi. Tout ce qu'il y a avant, on voit assez de gens, je sais pas si vous connaissez beaucoup de gens, défendre le physique sur un Amstrad CPC avec ses cassettes audio. Ou les disquettes 5 pouces 1 quart ou 3 pouces et demi, ou même celle de l'Amstrad qui était très sensible également, hein, sur lesquelles on pouvait perdre facilement des données. Hein. C'est le côté nostalgique quand c'est bien fait, c'est agréable de temps en temps. Un jeu qui pouvait être très long à charger, puis pour planter. Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est. Après, c'est une sorte de génération. La plupart des gens qui font du rétro, c'est des gens qui ont la trentaine, entre 30 et 40. Et je pense qu'ils se rendent pas compte. Ouais, déjà, à la limite, ils connaissent même pas les jeux sur. Ils savent même pas ce que c'est qu'un VIC-20, qu'un Atari ST ou qu'un Commodore 64 hein, pour la plupart. Ils ont découvert le jeu avec les consoles et les manettes. Donc c'est. Voilà, c'est autre chose. Là on peut pas passer là pour l'instant. Donc voilà, et je trouve ça parfois assez. Ah là il y a quelque chose. Assez drôle parce que quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis bon, les gars, c'est. Je les trouve parfois un peu gentils, mais un peu benêts là-dessus, quoi. Ah, on peut passer là. J'avais fait partie d'un club informatique en France, donc oui, il y a des fans des anciens supports, mais c'est peut-être en voie de disparition. Ah, ça y est, je suis retombé. D'accord. Après, toi, moi j'adore ces machines, mais... Je rachèterais pas un Amstrad. Enfin, des fois, si j'avais de la place, j'aurais pu me dire à un moment donné, ah, je me rachèterais bien un Amstrad CPC ou un VIC-20 ou des machines qui m'ont fait rêver à l'époque que j'ai jamais eu. Voilà. Et puis, non, derrière, non. En fait, si je veux faire de la programmation, je préfère apprendre à programmer sur des outils d'aujourd'hui. On peut programmer à l'ancienne aujourd'hui sur nos machines. Et on peut faire des trucs de dingue, en fait. Donc moi là-dessus je suis pas. Je comprends que des gens veuillent défendre ça. Le physique à tout prix, mais je pense qu'ils se trompent de combat surtout. Il faut surtout se battre pour la préservation du jeu. Et la préservation du jeu ne passe pas que par la restauration de machines physiques, et puis il y a des assos qui font ça très bien. Mais à un moment donné, il y a des trucs qui tomberont en panne, c'est sûr. Ça sera pour toujours. On sait pas quand, mais voilà, hein, une NES, une cartouche, hein, peut-être que dans 50 ans, je sais pas, vous savez, c'est des trucs qui peuvent se dégrader en 30 ans, 50 ans, 100 ans, je sais pas, enfin voilà, c'est la préservation, c'est ça, faut pas juste imaginer, ah, j'ai ma collègue, puis je la montre sur YouTube, et puis je dis, ah, le physique c'est trop bien, c'est toute ma vie. Quand on parle de préservation au-delà de notre espérance de vie, quoi, c'est comme pour les films, c'est pas... c'est pas la préservation pour avoir une collecte chez soi qu'on garde et qu'on laisse derrière la vitrine, quoi. Mais bon, enfin, c'est un gros débat, quoi, hein, ça. C'est un tout comme beaucoup de choses. Ouais, voilà. Et bon, et comme je disais l'autre fois aussi, le problème, justement, c'est que les éditeurs... La plupart des éditeurs n'ont pas. Ça les intéresse pas la préservation. Regarde, Nintendo, on voit bien que Nintendo, ça les intéresse absolument pas. Ils font la chasse à tout ce qui est émulation. Tout ce qui intéresse Nintendo, c'est. Au contraire, hein, c'est pas la préservation qu'ils recherchent, hein, c'est la préservation de leurs droits. C'est-à-dire que. Ils ont surtout pas envie que des gens puissent toucher à ça.
Et alors, ça peut se comprendre, hein, au niveau droit d'auteur, moi, il n'y a pas de souci, je comprends très bien. Voilà, une libellule. On va essayer de la prendre. Même les CD ont présenté ça presque comme un support pérenne, mais c'est pas le cas. Oui, voilà, bah ouais. Hop, 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 c'est pas bon ça. Voilà, les CD, c'est un très bon exemple aussi de. Mais de toute façon, les supports ont toujours évolué. Voilà, on est passé de la bande magnétique à des supports un peu différents. Hein. La bande magnétique, c'était voilà, c'était la disquette, la cassette, la disquette. On est passé sur d'autres. On a aujourd'hui des vieux disques durs qui, a priori, étaient le truc ultime pour la préservation, mais qui ne peuvent plus être lus aujourd'hui. Donc il faut constamment, en fait, changer, récupérer les données pour les mettre quelque part. Ça, il n'y a pas... Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Attendez, on va essayer d'aller là. Je pense que là, ça ira. Nice. Donc ouais, je sais plus ce que je disais par rapport à ça. Oui, par rapport aux éditeurs. Voilà, Nintendo, ça les intéresse plus de garder leur licence et de refaire des remakes. C'est une stratégie, mais c'est une stratégie commerciale. C'est pas une stratégie de préservation. Hein. C'est pas... la préservation, ça fait pas partie de leur... de leurs envies, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est... justement, pouvoir refaire un Link to the Past... failli pas y arriver. Je peux monter là. Ouais. Et il y a beaucoup d'éditeurs. Hein, Ubisoft, c'est pareil. On va faire là. Ubisoft, ils ont plein de licences hein, avant les années 90 qu'ils veulent plus réexploiter. Hein. Ah oui, on t'en parle. Et puis on parle d'un éventuel rachat d'Ubisoft aussi. Bah, Nintendo se focalise sur les émulateurs et. Ouais. Bah oui, non, mais ils font la chasse. Ils font la chasse. Ils font la chasse. Alors, on va le mettre là, lui. Je pense qu'il faut que je mette ça. Ah non! Non! Mais. Il revient là, lui. Attends, on peut les mettre comme ça, voilà. Suivre le mouvement. Je peux pas le suivre plus, là. Hop, mince! Non. Attendez. Faut qu'on sorte et qu'on rentre. Là, il y a une petite énigme sympa, là. Il faut qu'on mette les deux. Ça là par exemple. Je peux pas l'avoir là. Alors, nous on peut peut-être se remettre une caisse. Après. Ouais, Ubisoft, tu vois, par exemple, je me souviens, on a quelques influenceurs célèbres qui nous avaient fait les éloges du Ubisoft Plus, machin, à 18€, où t'as tout leur catalogue, machin, sauf que non, t'as pas tout leur catalogue. Loin de là, il y a plein de jeux qui sont pas dispo, en fait. Pas, hein.
Ah, en fait, on a un plafond, on a le plafond, regardez. Donc ça veut dire que ça, je pourrais pas le passer, mais si je mets ça... Bah, je peux pas le passer de toute façon. Ah non! Là, je peux pas faire grand chose. Hein. Attends, on va virer ça. De toute façon, ça sert à rien. Hein. Alors, en mettant peut-être un troisième... Ah oui, mais c'est ça qu'on peut peut-être faire. Non. On avait trouvé un moyen de faire des trucs comme ça. Non, là ça passe pas. La table non plus. Salut Spipers, mais c'est Zelda, et oui, on est sur Echoes of Wisdom. On essaye de se dépatouiller de certaines choses. Mais là je peux pas, là. Faut que j'amène la caisse juste sur le bouton. J'espère que tu vas bien. Attendez, peut-on le... Ah! On aurait pu! On aurait presque pu! Parce que là, on peut le mettre là, vous voyez. Bon, c'est pas grave, on va le remettre par-dessus. Bah, toujours un peu malade, mais plutôt en forme. Ah bon, bah écoute, tant mieux. Si t'es un petit peu plus en forme. Bah écoute, sinon, ici, tu vois, on fait du Zelda, on fait du American Truck... On fait du Arai Story Untold. Ça, c'est ce qu'on a fait hier soir. On va essayer. Ah, c'est pas possible. Ah ouais, mais là, non. Là, non, les gars. Il est trop bas, en fait, maintenant, j'ai l'impression. Donc voilà, on varie les plaisirs. Hein. Simulation. Voilà. Simulation, stratégie, un petit peu de rétro aussi. J'ai déjà fait un stream Atari ST il y a quelques semaines. On va remettre ça avec l'Amiga bientôt, je pense. Justement, montrer les jeux autres que... voilà, quand on parlait rétro, hein, je disais tout à l'heure, il y a... Ah putain, je suis sûr qu'on peut, là. Faut qu'on sorte et qu'on rentre. En fait, faut pas les... Là, on met ça là. On va essayer de mettre ça. On va attendre que ça passe là. Parce que je peux pas les attraper d'aussi loin, en fait. Voilà, là, là. S'il te plaît, voilà. Oh ! Magnifique ! Pas passer une heure sur l'énigme. Ouh, c'est 108 ça. Bon, ça va les coups. Alors les récompenses sont parfois pas toujours folles, mais c'est pas grave. Déjà on a le plaisir d'être sur un Zelda un peu à l'ancienne avec des vrais sanctuaires. D'ailleurs là on devrait, on va aller voir le sanctuaire, le troisième.
Troisième sanctuaire. Donc là, on a une belle carte à explorer quand même. Je pense qu'on aura sûrement des surprises. Et nous, on va par là. On va revenir par là. C'est là qu'on l'avait vu le truc. Voilà. On n'y est pas rentré là-dedans. C'est une partie du sanctuaire qui est enfouie dans la faille. Le repère du grand Jabu Jabu. Tu vois, c'est quand même assez amusant ce jeu parce que ce qui est drôle, hein, c'est que toi, c'est un nouveau Zelda, c'est un vrai Zelda, enfin, vrai, c'est un Zelda avec un gameplay à l'ancienne que beaucoup de gens réclamaient depuis Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Puis là, on voit passer des vidéos d'influenceurs qui disent ah oh ouais, il se vend pas aussi bien. Mais ça, c'est parce que. Alors, il y a des théories, hein, peut-être que c'est parce que justement, on joue Zelda et pas Link. Mais ce qui est marrant, c'est que y a plein de gros influenceurs. Il y a l'histoire du démat surtout. Moi, je l'ai acheté en physique ce jeu. Hein. Il existe aussi bien en physique qu'en démat. Donc, c'est un jeu Nintendo, il n'y a pas de problème. Hein. Non, le jeu, il est disponible dans les deux formats. C'est pas. Mais en fait, surtout les influenceurs qui pourraient, tu sais, en parler plus. Qui ont fait d'ailleurs une espèce de petit teasing, mais qui sont pas allés très loin là-dedans, n'ont pas joué au jeu, finalement. N'ont pas joué au jeu. Ils vous ont fait 2-3 previews. Vous prenez un. Allez, on va parler de Julien Chies, Carole Quentin, et puis quelques autres comme ça. Ils ont même pas fait de test. Ils ont même pas fait de test du jeu. C'est un Zelda et ils s'en foutent. Ils considèrent que c'est un petit jeu, tu vois. Ils le traitent de la même manière qu'un jeu indé. Et après, ils s'étonnent que les gens. Que les gens n'aillent pas lâcher. En plus, c'est pas un mauvais score hein, au niveau des ventes, ce Zelda. Hein. Il a les oreilles qui sifflent. Ah bah il peut, hein, je veux dire, lui qui se défend tout le temps, hein, son travail est magnifique, il est intouchable, attention, monsieur fait son travail. C'est toujours son mec qui sort en exemple, parce que le problème c'est que c'est symptomatique hein, du truc quoi, je veux dire monsieur qui défend la passion du jeu vidéo, mais en fait il s'en fout, il s'intéresse surtout aux trucs les plus vendeurs. Dès qu'il voit qu'un jeu n'est pas si vendeur que ça, il va rien faire dessus. Et puis après il gueulera avec la meute quand il verra, il attendra que tout le monde gueule bien fort. Quand il voit que les gens gueulent en disant oui c'est pas normal, il faut défendre tel ou tel jeu ou tel jeu, là il viendra les défendre. Si des gens tapent sur un jeu, il viendra le taper. Il attend que les autres décident pour lui. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des influenceurs. Ils passent leur temps à demander à leur communauté ce qu'ils pensent des choses sans jamais parler finalement, sans jamais donner leur propre avis. Ils attendent d'être sûrs que la commu qu'ils ont construite au fil des années soit d'accord avec eux pour aller dans le même sens, quoi. Donc c'est marrant comme truc. Mais bon. Après, on va avoir des gens qui vont dire ouais, non, mais c'est un petit jeu. Et c'est insupportable de voir tous ces gens-là traiter ce Zelda comme si c'était un petit jeu indé. C'est un vrai Zelda, avec des sanctuaires comme ça fait des années que les gens en réclament. Mais ils ne sont pas au rendez-vous, tous ces gens-là, pour mettre ça en avant, pour jouer au jeu, pour bah, finalement pour défendre ça, quoi. Parce que, je le dis et je le répète, avec ce moteur-là, ils ont fait Link's Awakening, ils font ce jeu qui est original. Il pourrait nous sortir un Zelda tous les 2-3 ans. Et franchement, qui s'en plaindrait d'avoir un Zelda avec une qualité graphique comme ça? C'est très mignon, c'est joli, il y a des beaux effets, et puis il y a du contenu quoi. Il y a un très bon contenu. Donc personne ne se plaindrait de ça quoi. Donc après, voilà. Hein. Puis c'est les premiers qui vont crier au génie quand on aura dans 8 ans un nouveau Zelda en 3D. Ah.
Mais tous les jeux doivent être défendus, tous les bons jeux doivent être défendus. Moi, il y a un jeu sur lequel je veux faire quelque chose depuis un moment là. Et je l'ai traité un peu en stream. C'est un jeu alors, qui est très particulier. Il a un look graphique Vectrex, très début des années 80, fin des années 70. Mais je pense que c'est un des jeux qui m'a le plus étonné et plus en 2024. Franchement, c'est un shoot à l'ancienne, mais qui est excellent. Ben, il faut en parler de ces jeux. Il y a pas si on n'en parle pas hein, les gens vont pas les découvrir tout seuls non plus. Je veux dire, il y a des jeux à tous ces gros influenceurs qui ne font que parler finalement des grosses licences, ils brassent un peu du vent quoi parce que de toute façon, les gens sont au courant de l'existence de ces jeux même si ils sont pas au taquet au niveau de l'information, ils les découvriront ces jeux-là parce que c'est des grosses licences. Enfin, Zelda, c'est une grosse licence. La plupart des gros influenceurs ne traitent que des trucs gros. Voilà. Les jeux indés, c'est extrêmement rare qu'ils en parlent. Et pourtant, c'est bien ces jeux-là qu'il faudrait montrer en premier. Eux, en tout cas, ils ont une force, on va dire, de frappe en termes de communication qui est beaucoup plus importante. Mais voilà. Mais c'est sûr, eh ben oui, ça ne rapporte pas autant. Pour ouvrir cette porte, il faut que les deux chefs des peuples des rivières et des peuples des mers jouent de la musique ici en même temps. Ah, il va falloir réunir les deux là. Les auras des rivières et les auras des champs. Et le peuple des mers. Non, bah donc c'est bon, il faut que les deux chantent là. Ah, j'aurais dû passer là tout de suite en fait. Ah, la quête est pas. Ah, ok, fallait que la quête soit mise à jour. Bon, bah écoutez, on va y aller. On va ramener les deux. Faut qu'ils jouent de la musique ici. Allez, un petit buff devant le temple. Et puis ça ira. On espère. Donc, le domaine Zora Fluvial ici. Et on a place de l'estuaire ici. Alors attendez, où le village? Je sais pas lequel c'est. Peut-être celui-là. Là, on y est allé déjà. Je sais plus si on y est allé la dernière fois. Vous savez quoi? On va déjà aller demander au chef du village ici, voir s'il accepte de venir facilement ou si il va nous demander encore des trucs en plus. Redésolé, problème technique. Bah, pas de soucis. Re. Ok, donc ils sont plus là les gars. Il fallait d'abord en fait. Moi je sais bien, j'y suis allé avant. Avant et après. C'est lui le chef, non? Il est plus là, toi, ça, je pense. Ah si, il est là. Allez, on va calmer. Faut calmer le grand Jabu-Jabu. Bah, il a compris, lui, on va lui offrir un super morceau de musique, sera tellement épaté qu'il en oubliera sa colère direct, paf, d'un coup. Et Kusha sera bien obligé d'admettre que ma musique est géniale. Ah, mais ils sont fâchés, hein. C'est ça. Ah, c'est deux musiciens avec des égos un peu gonflés là. Allez, vas-y. Il est pas commode, lui, hein. Eh oui, faut qu'ils jouent de la musique ensemble, qu'ils se réconcilient. Direction à la place de l'estuaire et que ça saute. Faut qu'on aille chercher l'autre chef. Par contre, je me souviens plus où il est. De l'estuaire. Allez, go. Mais
donc ouais non c'est franchement en tout cas moi pour moi c'est une. Je suis très très content de qu'ils aient sorti ce Zelda, que ce soit une nouvelle histoire, qu'on joue avec Zelda, c'est super. Vraiment. Pour l'instant, c'est un petit. C'est un sans faute, hein. Je suis pas loin, hein. On est. Voilà, on a fait deux sanctuaires pour l'instant. Mais je sens qu'il y a un bon potentiel hein, quand même hein, sur ce jeu. Après, ce qui est assez drôle, on va retourner là vite fait, mais. Ne pas stimuler une nitro poisson. On verra plus tard ici. Alors après, le jeu fonctionne pas non plus. Il est un petit peu plus ouvert qu'un Zelda classique aussi. Hein. Faut qu'on aille chercher l'autre. Attends, on va déjà aller voir, hein, puisqu'il a dû arriver là. C'est pas un Zelda qui utilise le principe du Metroidvania hein, pour accéder à certains endroits. Ah non, il est pas là. Faut qu'on aille le chercher. Là. Moi, c'est un truc qui me plaisait beaucoup dans les anciens Zelda, c'était ce côté, voilà, il faut récupérer le bracelet pour pouvoir soulever les pierres, et puis après le grappin pour pouvoir atteindre certains endroits. Là, on a un petit peu ça, mais c'est plus ouvert, hein. Ça ressemble plus à... Oh, tiens. Qui c'est lui, tiens. On y va, là. Ok, on doit pouvoir y aller... Je sais pas. Il était là tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Je crois pas. Hein. On fait Steph, j'ai une question concernant la diffusion d'un jeu acheté en accès anticipé. C'est-à-dire. Bah vas-y, demande-moi. Bah, a priori, un jeu qui est sorti en accès anticipé, t'as pas de problème hein, pour la diffusion. Possible, interdit ou toléré. Normalement, c'est possible, c'est complètement possible. Hein, il n'y a pas de, c'est même pas de toléré. Je te prends un exemple, Hades 2 qui est sorti en accès anticipé il y a quelques mois de cela. Tout le monde le stream. Hein. L'accès anticipé sur ces jeux-là, c'est pas une, c'est comme une bêta ouverte en fait. Hein, c'est-à-dire que le jeu, d'ailleurs pour la plupart des jeux indés, l'accès anticipé c'est pas c'est pas le même que l'accès anticipé de quelques jours pour des gros jeux. Tu vois, sur certains gros jeux, ils te vendent un accès anticipé qui n'en est pas un, en fait. L'accès anticipé, c'est... en général, le jeu n'est pas terminé. Alors que l'accès anticipé sur des gros AAA, c'est juste un accès anticipé. C'est-à-dire que le jeu est terminé, mais tu peux le lancer quelques jours avant. Et si tu l'as, d'ailleurs, il n'y a pas de problème de diffusion, au contraire, puisque ça fait monter une espèce de hype. Donc, un jeu que tu as acheté, il n'y a pas de souci. Il faut faire juste attention, mais ça, c'est toujours pareil, c'est avec Nintendo. Moi, ça m'est arrivé de récupérer en magasin, c'était le dernier Mario Wonder, et je l'ai récupéré un jour avant sa commercialisation officielle. Et je l'ai streamé le soir, et j'ai été ban. Pendant je sais plus combien de temps, quelques jours, 24 heures je crois, je sais plus si c'était 24 heures ou... Ah non, on l'a déjà fait ça, on y est déjà allé là. Donc après, je sais pas quel est le jeu, mais dis-toi que un jeu que t'as acheté sur Steam, qui est en accès anticipé, il peut être streamé sans aucun souci. C'est pas la même chose un accès anticipé et quand un éditeur t'envoie un jeu, par exemple, si tu vas sur Keymailer, tu peux avoir des clés en avance de jeux qui sont pas encore commercialisés. Donc en fait, si tu achètes un jeu et que tu peux y jouer, tu peux diffuser. Bah, en théorie, oui, voilà, sauf que faut faire attention avec Nintendo. Comme d'hab. La Nintendo là-dessus, voilà, moi j'ai été ban parce que.
Là, c'est le vendeur hein, qui acceptait de vendre le jeu un peu avant parce qu'il l'avait déjà en magasin, mais voilà, logiquement, il n'avait pas le droit de le vendre. On va retourner là, mais. Mais voilà, un jeu que t'as acheté, en tout cas en accès anticipé sur Steam, je te dis la plupart du temps, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je voulais juste faire le distinguo avec un jeu, par exemple, que tu peux récupérer via Keymailer. Keymailer, c'est un site qui te permet, en fait, qui permet à des éditeurs de diffuser des clés d'accès à leur jeu avant même qu'ils soient disponibles à l'achat. Donc là, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire soit ça m'est arrivé pour Utopia Must Fall par exemple, j'ai récupéré la clé pour télécharger le jeu sur Steam et c'était indiqué que je pouvais streamer comme je voulais avant même la sortie officielle de l'Early Access. Donc le jeu, je crois que je l'ai eu le 6 septembre, il sortait le 9. Pendant les 3 jours, ils étaient eux, le développeur et l'éditeur, étaient complètement ouverts au fait que je puisse streamer et montrer le jeu. Et d'autres vont te dire, attendez telle date avant de le faire. Mais là, on parle pas d'un jeu que tu as acheté, on parle d'un jeu que tu as récupéré en étant finalement en contact avec le développeur ou l'éditeur. Et là, c'est eux qui disent, voilà, nous, on voudrait commencer à communiquer à partir de telle date. Ou si on vous donne l'accès au jeu, vous pouvez y aller. Voilà, c'est... Mais la plupart du temps, un jeu que tu achètes en fait en accès anticipé sur Steam, tu peux. Je reprends l'exemple de Hades, hein, ça a été comme ça. Hades 2, moi je l'ai streamé, il est en accès anticipé, il n'y a pas de problème. Après, tu peux me dire le nom du jeu, hein, je sais pas ce que c'est. Ah, les deux, elle est têtue et l'autre aussi. En fait, ils vont finir... ils vont se mettre ensemble finalement, vous allez voir. On va vivre une histoire d'amour en direct. T'es pas obligé de lui adresser la parole, on demande juste de chanter, de faire de la musique. Oh là là. Ah, ça va se friter là. En tout cas, merci pour l'info, mais non, c'est pas du Nintendo, je pense que je vais les boycotter, lol. Bah moi, toi, voilà. Zelda, j'ai quand même envie de le montrer en stream. J'ai quand même. Après, je suis toujours curieux, les jeux Nintendo, Mario, les Zelda, les Super Mario Kart, tout ça. Voilà. C'est. J'ai toujours envie. En fait, c'est eux hein, qui. C'est vrai qu'ils sont chiants. Hein. Enfin, ils sont chiants. C'est ce qui fait leur force. Hein. Eux, leurs exclusivités, ça bouge pas. Hein. C'est uniquement sur les consoles Nintendo. Mais après, voilà, moi je supporte pas effectivement le comportement qu'ils ont vis-à-vis des émulateurs. C'est contre-productif de toute façon pour moi. Pour moi, ils font du mal à la préservation du jeu vidéo tout simplement parce que eux-mêmes ne sont pas capables sur leurs émulateurs de proposer tous les catalogues parce qu'en fait c'est des accords commerciaux. Donc voilà, une fois encore, eux, la préservation ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse pour eux, le jeu vidéo, c'est. Ça reste quelque chose d'éphémère, ça reste un produit, c'est pas un vrai produit culturel comme un livre ou un film, c'est un produit qui a une durée de vie dans le temps et qui est amené à disparaître. Et je pense que eux c'est tout leur intérêt puisqu'ils se disent, eh ben voilà, un jeu qui disparaît, boum, on peut le ressortir 20 ans plus tard, on en refait une version et on peut la vendre 40 ou 50 balles. Le dernier DBZ m'est pris chez Bandai Namco car moins cher que Steam en version PC. Ah ouais? D'accord, hein, je savais pas. Je savais pas qu'il était moins cher. Ah oui, on va les suivre. Youpi! Hop là. Je pense qu'on va avoir un sanctuaire vachement lié à la flotte. Donc de toute façon, quoi, on peut y aller direct. Hein. On va se faire chier.
Oh, ma petite saucette! Et bienvenue dans l'univers magnifique de Zelda. Ah, ça y est, on va peut-être les entendre jouer de la musique, hein, tous les deux. Gang. Et Drad, il est pas content. Ça y est, ils vont s'engueuler, les deux là. Ah, ça me parle. Ça me plaît, hein, mais vous allez vous aimer, hein. Vous allez faire de la musique ensemble, hein. Faut qu'on aille leur parler. Calmez-vous là. Détendez-vous, hein. Ouais, on va apaiser ensemble. Ah, les pauvres. Oh, comme si ta musique grossière pouvait l'apaiser. C'est moi qui calmerai le grand Jabu-Jabu. Et ça y est. Ah, c'est vrai que c'est elle qui a commencé là. Je suis en train de tester l'émule PS4, mais je commence juste. Bah moi, il y a un viewer, c'est Guybrush, qui m'a passé pas mal de fichiers sur Retrobat, qui est un émulateur vraiment bien bien foutu. C'est avec ça que j'avais fait un petit peu que j'avais montré des jeux Atari ST. Et le prochain stream rétro que je ferai, ce sera certainement sur l'Amiga, pour montrer, je sais pas encore, hein, parce que là j'avais montré des jeux en vrac sur Atari ST, mais c'était sympa comme stream. Et donc je vais le refaire, et je le fais via Retrobat. Et voilà. Oh, les notes toutes faiblardes. Lui, il joue du métal ou quoi? Ne t'a-t-on jamais appris que certaines choses ne se disent pas? Gna gna. Mais donc, à départager nos deux musiques ici. Ah, mais non, en fait, non, faites-le dans la grotte là. S'il vous plaît. Allez! Ah, les relous. C'est mignon. Allez, c'est plutôt de jazzy en fait. C'est à l'harpe. Ça semble performant être au. Oui, c'est bien efficace. Ouais. Ah, ils étaient pas synchro. C'est synchro. Oh, si, ça a dû marcher quand même. Hein. Ouf, non. Ça a fait venir. Ah, c'est le Jabu Jabu. Oh, il est pas content, Jabu Jabu. Je crois qu'il a pas aimé la musique en fait. On va être aspiré, hein, je pense. Oh, les pauvres! Ah, il digère pas peut-être. So con. So cute. Ah ouais, c'est classe. Bon bah du coup on fait quoi nous? Bah oui, c'est pas comme ça qu'ils vont nous ouvrir la porte. On fait quoi maintenant? Le domaine Zora fluvial, oui, ça doit être ça. Ah bah oui, attendez. Donc, enfin, où est-ce qu'ils vont? Ouais, on va aller là, hein. On va y aller direct, en fait. Pourtant, la musique est censée adoucir les mœurs. Ouais, mais ils s'entendent pas musicalement, là. Ça va pas du tout. Qu'ils apprennent à jouer ensemble, hein. Alors, on se téléporte direct, hein, voilà. C'est Drad, c'est le gros méchant là. Enfin, le gros méchant, c'est
Le chef des auras, des rivières. C'était la voix du chef des auras des rivières, bah oui. On est d'où, hein? On sait pas, ça venait de là, de toute façon. Où est-ce qu'on peut remonter déjà? Attends. Mais par là. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Oh, il a tout pété la hutte. Il paraît que le grand Jabu Jabu est parti vers l'est. Bon bah on y va. Hein. Bah, je peux passer là en fait. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un petit caillou là. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Ah bah oui, on peut y aller. Alors, avant de faire le sanctuaire, en fait, il faut aller effectivement dans le néant. On va y aller aussi, hein. Ah, mais du coup, elle va avoir des remords. Ils vont regretter de s'être engueulé, donc ils vont jouer de la musique à la fin. Mais il va falloir qu'on aille d'abord là-dedans. Donc, c'est toujours un peu la même mécanique hein, au niveau gameplay. C'est vous avez un détour dans le néant et après vous avez accès au sanctuaire. Mais franchement, hein, le niveau du. Le contenu est vraiment. Est assez riche. Hein. Même très riche. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, voilà, je comprends pas trop le désintérêt de certains gros influenceurs qui ont pourtant fait un petit peu la promo de en avant en disant ouais, j'y ai joué avant tout le monde. Puis finalement, qui derrière n'ont rien fait sur ce jeu, quoi. Parce que tu comprends, c'est un petit jeu, c'est pour les enfants, ils vont vous parler de ça comme si c'était un beau petit jeu mignon, un bonbon acidulé, un vent de fraîcheur, gnagnagna. C'est un vrai jeu, c'est pas un petit jeu. Voilà. Donc là, il faut qu'on récupère en fait plein de tri, là, il faut qu'on en récupère 5. Et on va voir un peu comment on va faire. Hein. Ça passe. Ah, par contre, il y a peut-être des choses que j'ai pas récupérées. Que je devrais peut-être récupérer. Ça va me permettre de sortir, tiens, bah notre. Est-ce qu'on peut le faire avec le tout corps? Attendez. Quand tu veux, hein. Mais j'arrive pas à l'avoir. L'avoir lui. Donc ça marche avec le corbeau. Et je sais pas comment on le contrôle hein, parce que j'ai l'impression qu'on peut le contrôler. J'ai l'impression qu'on peut le contrôler, moi j'y arrive pas du tout. Ouais, il m'emmène mais je sais pas comment faire. Thank you.
Il y a un truc que j'ai pas compris avec ça, hein. J'arrive même pas à l'avoir. Parce que je le contrôle pas du tout là. C'est la table que j'ai mis. Du coup, je suis obligé à t'attendre qu'il prenne la bonne direction. Et j'ai beau faire des mouvements, ça ne fait rien. Oh merde. Oups. Pardon. Je me suis transformé en Link. Oui, on va y arriver, mais c'est super laborieux, quoi. Donc c'est pas normal, en fait. D'ailleurs, en plus, tout ça pour faire ça. Ah bah là, on peut passer là, tiens, d'ailleurs. Ah bah tiens, attendez. Oh la merde. Ouais, c'est bon. Alors, les corbeaux, on avait vu ça la dernière fois, c'est très pratique. Parce que... Merde. C'est très pratique parce que quand ils attaquent, la première attaque, ça file plein de diamants, de rubis. Oh, pardon. Non, là, là, eh oh, on se calme. Hein. Vous allez les attaquer, oui. Allez, on va là, direct. Boum. Qui est coincé. Alors là, là j'aimerais bien y aller. Donc c'est là où il va falloir qu'on utilise. Ah, on peut peut-être grimper sur le pépère là. Non, ça se trouve. Ouais, on peut. On peut, on peut. Magnifique. Là, est-ce qu'on mettrait pas le lit? Attendez, par ordre de sélection, peut-être fréquence d'utilisation, ordre de mémorisation, par coup, par type. Voilà, on va essayer ça. Le lit moelleux. Ah, ça passe pas le lit moelleux. On peut sauter comme ça, peut-être. Oh, on peut pas. Bon, on va ressortir. Mais viens là, espèce d'imbécile. Après, je sais pas si vous avez une astuce pour ça, hein, mais... Ils l'ont attaqué ou pas? Il est où? Je voudrais qu'il l'attaque, moi. Y'a rien, là? Non, y'a rien. Ok. Ah, bah c'est lui. C'est Drad. Là, il y a quelque chose. Hein. Oh, oups là. On peut passer par là. Ah, c'est cool. Je sais pas si c'est la meilleure idée du siècle. Mais on peut passer là. Hein.
D'accord, non, c'est pas intéressant. Y a pas un truc planqué là? Non, y a rien là. Donc c'est pas forcément super intéressant qu'on passe là. On va remonter. Le problème, c'est que moi j'ai pas de bombe encore. Hein. Parce que là, je vois des trucs. Ah, ça, ils auraient pas des bombes dans la gueule. Je sais pas s'il va l'attaquer lui. Ah non, il va pas l'attaquer plus que ça. Hein. Il peut lui, le tout corps peut-être. Ah, lui il peut. Non, il sait pas nager. Attendez, attendez, attendez. Un piranha des sables, est-ce qu'il attaque? Alors, en fait, ça doit pas être le même style. Je comprends pas pourquoi lui il arrive pas. Ok, d'accord, ça y est, on voit. J'ai compris. Plein d'eau. Alors, par contre, il y a un petit souci là. Est-ce qu'il réapparaît? Merde, il réapparaît pas. Zut. Zut de zut. Comment je fais maintenant, moi? J'ai pas les bombes hein. Là je vais être coincé là. J'ai pas les bombes. Comment qu'on va faire? Rebond à tout, ça m'étonnerait qu'il... À mon avis, il faut que je ressorte, hein, parce que là, j'ai pas de bombes. Là, faut que j'ai des bombes. J'ai pas le choix. Oups. Donc il faut qu'on trouve les bombes. Hein. Et où sont-elles? Faut qu'on trouve les poissons là qui ont des espèces de... Ou alors j'y retourne et tout va réapparaître, je sais pas. On va réessayer pour voir. Non, ils disparaissent vraiment. Hein. Il veut pas venir lui. Hein.
Donc faut que je trouve les bombes. Mais c'est étonnant que depuis le début, j'ai pas encore trouvé de bombes. Zelda a des bombes. Link a des bombes, mais je les ai pas encore, je crois pas. Si je regarde... Voilà, j'ai l'arc de puissance, j'ai l'épée de puissance, mais c'est tout. On va se mettre en quête du poisson explosif, hein. Le meilleur moyen. Je vais lui dire que j'ai trouvé son père ou quoi. Ah, elle me dit pas, elle s'en fout. Donc, où est-ce qu'on va trouver ça? Une grosse question là. Là, il n'y a pas les... ces poissons. Hein. Oui. Là, on a mis le tampon déjà. Ouais, peut-être pas. Mais oui. Tampon man. Ah, mais peut-être que... Ah, voilà. En fait, c'est ça qu'il faudrait que j'aie. C'est eux, hein. Je suis sûr que c'est eux, en fait. Attendez, on va déjà virer ça, là. On va essayer d'attraper, lui. Raté. Ah, je peux pas l'avoir. Je peux pas le remonter autant. Attends, il va falloir trouver une astuce, là. Ah, peut-être en poussant ça, juste comme ça. What? Ah, je peux pas le faire passer là-dedans. Je peux pas le faire tomber. Malgré... Ah, ça y est. Je veux pas comprendre pourquoi, là, mais... Le problème, c'est quoi? C'est pas ça qu'on veut. Voilà. Oh le bazar. Non, viens, non. Oh, c'est pas vrai. C'est écho, peut-être. Pourquoi j'arrive pas? Et là? Oh, c'est chelou là. Man! Oh, quel con. Ah,
Ah, c'est pas possible ça. Ok. Là, à mon avis, on devrait pouvoir le faire exploser le truc. Hein. S'il te plaît. Alors je peux pas la prendre. Ça c'est bizarre de pas pouvoir la prendre ça. Parce que si je le remets dans l'eau. Il n'y aura pas de soucis. Voilà. Et c'est pas le même poisson, hein? Si? Non, c'est pas le même. C'est pas le même en fait. On est d'accord que là. Alors, ah, je peux peut-être l'amener comme ça, lui. Ah, mais non, ça va le faire exploser en fait. Dès que je fais ça, ça le fait exploser. Attendez. Ah, voilà. Non. Qu'il soit plus près. Voilà. Je peux pas apprendre leur. Je peux pas mémoriser ces poissons. Ah bah ouais, mais le deuxième il est pas là, il est mort. Ça c'est relou ça. Donc comment je fais maintenant? Pour ressortir, refaire le machin? Je dois vous laisser une bonne journée, Steph, et à tous. Prenez soin de vous. Bah, merci, Sayajin. Merci d'être passé. Et puis, bah, amuse-toi bien avec DBZ. Hein, mais a priori, voilà, ton accès anticipé, logiquement, il n'y a aucun souci. Ah ouais, mais il n'est plus là. Quand vous voulez que je fasse, moi. S'il faut que je sorte du truc à chaque fois, là, c'est l'enfer. Hein. C'est pas cool, ça. Ah oui, ça fait mal, hein. Danger entrée interdite. C'est bizarre quand même ces histoires de poissons là, hein. J'ai du mal à capter pourquoi ils apparaissent pas, quand, comment. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Est-ce qu'on peut aller en haut peut-être? Je pense pas. Alors, je ne sais pas comment et quand ils réapparaissent ces poissons, donc c'est un peu gênant.
C'est un petit peu gênant cette histoire. On peut peut-être aller à droite là, hein, j'ai l'impression. On va voir si on peut y retourner. Particulier, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé un truc? Ouais. Ah, c'est un caillou que j'ai poussé, ok. Il y avait un caillou là, et il y en a un ici. Bravo ça, joli. T'envoler un peu plus là. Des fois il va vers le haut, je comprends pas ça. Là il va pas y aller vers le haut, c'est sûr. Non. On tente des trucs, hein, parce que bon. Ça marche pas fort pour l'instant. Hein. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire en plus, c'est ça le pire. C'est ça qui est un peu énervant, des fois. Il pourrait me faire passer, hein. S'il décidait juste de se lever un peu, là. Non.
imbécile de Korbach. Là, il monte, là. Voilà. Et attaque-le, attaque-le, attaque-le. Ouh, joli, ça. Ça, c'est des sous, ça. Ah bah tiens. Les corbeaux sont très intelligents. Oui, c'est ce que j'allais dire en plus. Je sais que les corbeaux, c'est des... Ils font des blagues, même. Ah, regarde, Tampon-Man. Tampon-Man. Tampon-Man est là. Haha, c'est Tampon-Man. T'aurais pu travailler pour Nintendo, tu vois. Et oui, j'ai trouvé 5 stations de tamponnage. Ouh, c'est cool. 10 bouteilles de lait frais. Ah, oh, c'est cool. Il n'y a que moi qui ai accepté ça. Allez, nouvelle carte à tamponner. Youpi. Oh, un petit chat. C'est un petit chat ou un petit chien? Ça pourrait être un chien. Ça ressemble plus à un chien, peut-être. Ok, donc bon, ça permettait de compléter la carte en fait, d'aller ici. On est bien content. C'est pas ça qui résout mes problèmes de bombe, hein. Malheureusement. C'est bien beau tout ça, mais du coup, ça ne résout pas mes histoires. Hein. Ça ne résout pas mes histoires. Où est-ce que je vais trouver le... Là, peut-être. On va aller voir là, quand même. Le temps que j'ai pas les poissons bombes, là, je peux pas passer... je peux pas débloquer une entrée dans le sanctuaire. On connaît ça. Oui, on connaît. On les connaît. Bim. C'est pas con pour aller les chercher, c'est long. Hein. Je les aurais pas tous. Hein. Allez, attaque, 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 attaque. Ils veulent pas les attaquer. On va essayer avec ça. Je comprends pas pourquoi eux ils survivent pas dans l'eau. C'est pas la bonne eau, c'est ça? C'est quoi l'histoire hein? Bon, lui non plus, évidemment. Lui non plus, c'est normal. Il faut qu'ils soient par là, en bas. Donc, Marc, il pourrait les attaquer peut-être. Allez, mes petits crabes. Voilà. Mais on peut pas apprendre non plus. Ouais, on peut pas les.
Et là, c'est pareil, il y a encore une bombe là. Hein. Ah, hop, 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 c'est pas le truc. Allez, attaquez-le, attaquez-le là. C'est un peu raté là mon histoire. Vous voyez, tant que j'ai pas les bombes, hein, de toute façon, je suis un peu coincé. Ah bah tiens, il y a un tampon là. Je sais pas si on fera autre chose que des tampons aujourd'hui, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Ah, je l'ai déjà? Bon, bah, d'accord, je sais pas. Hein. Je croyais que je l'avais pas su. On est dans la tourbière où on est dans la... On n'est pas censé être là normalement je pense. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Oh, la petite grenouille, j'ai pas vu. Attends, on va essayer de la récupérer. Ah, je crois que c'est eux. C'est une bonne idée de faire ça. Ah là là! Attends, la grenouille s'il vous plaît! Lui, ah c'est une araignée, c'est méchante. Tiens, on va lui balancer ça peut-être. Et boum! Je suis en train de prendre cher là. Oulala. De toute façon. Oups. Est-ce qu'on peut l'amener
devant le temple là pour qu'il chante. Hein. C'est là. Bon, je m'égare, hein. Je m'égare carrément, mais c'est pas grave. Hein. On découvre une nouvelle zone. Ah non, c'est lui que je tape. Il a disparu l'autre. Non, encore. Oh, intéressant ça. Il y a quand même plusieurs hein, des grenouilles, donc à mon avis, je pense qu'il faut les réunir. Parce que là, c'est la troisième qu'on voit, je pense. Oh mince! Ah bon, d'accord, il peut la taper. Peut-être qu'on peut la mémoriser. On aura appris plein de trucs. On revient dans l'autre zone là. Oh mais on le connaît pas lui, on l'a pas eu. Hein. Il a l'air fort. Hein. Je pense que c'est pas lui qu'il faut contre lui là mais. J'arrive pas à le frapper du tout en fait. Non, mais j'ai quasiment plus de vie moi en fait.
c'est autre chose. Hein. Avec deux corbeaux. Sinon on va sortir notre petit Link. Hein. Ah, même pas besoin. Alors, vous savez quoi, on va sortir le petit lit là. Voilà, le lit moelleux. Un petit dodo. Plus rien à faire ici, on avait déjà fait des trucs là. Il y en a, j'ai jamais essayé encore. Je sais pas quand est-ce que les monstres ripop, parce que c'est pareil, hein. Là, si je reste dans le coin après ils vont pas ripop. Ils vont pas respawn, mais là ils en respawn. Du coup c'est assez étrange. C'est là qu'il faut qu'on aille, je pense.
Ah, attendez, c'est où, c'est où, c'est où? C'est là en fait. Je mélange pas tout. Voilà, c'est là. Je crois, hein. Mais peut-être pas, c'est peut-être l'autre grotte. Ah non, on l'a fait celle-là. C'est pas celle-là. C'est laquelle alors? C'est celle-là en fait, c'est la plus bas. Ça doit être ça. Oh là, c'est, on est coincé là. Alors, oui, là, ils sont là. Donc, bon, bref, ok. Elle a l'air grande, la carte. Ouais, ouais, c'est assez... Elle est effectivement assez grande. Ah, non, c'est pas bon, ça. Attends, on va essayer de mettre ça. Ouais, ouais, y a de quoi explorer, en fait. Hein. Y a de quoi explorer. Bah, tu vois, là, en baladant un peu, là, j'ai découvert ça, la tourbière de Firon. Là, on a exploré qu'une petite partie, parce que je pense que ça doit faire tout ça. Et bah, il doit y avoir un sanctuaire dans cette zone-là. Ici, il y a un sanctuaire dans cette zone-là. Là, on en a eu un ici. On en a eu un ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça se trouve, il y en a... C'est possible qu'il y ait 6 sanctuaires. Donc, ouais, il y a de quoi faire. C'est pas un petit jeu, quoi. C'est un jeu... je pense qu'il a, il a quand même une bonne durée de vie. Hein. Ah! Est-ce qu'on peut... J'arrive pas à faire ce que je veux avec ça. Ça m'énerve. Ça, là. Là ça marche, ça c'est bizarre, hein. Je peux le passer là mais je peux pas le passer ailleurs. Bref, non, il va exploser. Non, c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Alors attends, parce qu'en plus je comprends rien, il y a un truc qu'on doit faire péter mais je sais pas où. On peut pas apprendre ça en fait. C'est ça que je trouve ça très bizarre. Non. Pas après, hein. Non, c'est que des. Après, c'est pas. Oula. Il va me taper, eux. Viens là, toi. Peut-être qu'il faut le mettre à côté, hein, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas passer? Ah, à cause de ça. Bravo. Très bien joué ça, magnifique. Ouais. Ouais, il n'y en a pas ici, il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et là, on va en avoir deux. Voilà, c'est ça. Donc là, on en a deux, ils ont réapparu, donc ça c'est bien. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a complètement pété tous les autres trucs par contre. Mais là, il faut que j'arrive à... aller en haut. C'est pas super pratique par contre, là, cette phase de gameplay. Et merde. Ah bah voilà. Bah voilà. Oh non, les deux. Les deux, exactement ce qu'il fallait pas faire. J'ai attiré l'autre sans faire gaffe. Du coup, voilà. Du coup, on est bien. Alors, est-ce que... Ouais, on va essayer un truc. Je me TP là. Ça, c'est pas pratique parce qu'en fait ils réapparaissent mais on sait pas comment. Je pense que c'est quand je m'éloigne ou au bout d'un certain temps, je sais pas si c'est ça. Et ça, c'est pas super pratique en termes de gameplay, c'est pas le truc le plus fou. On sait qu'il faut qu'on passe par là et on a une chance sur deux de faire exploser les bombes avant, donc du coup on est obligé de perdre du temps. Après, en même temps, je veux vraiment l'explorer cette grotte. Ça va me faire comprendre comment on passe là en fait.
Parce que j'ai pas de bombe, c'est vraiment le seul truc que j'ai pas. Et là, on a besoin de ça. Est-ce qu'ils auront réapparu? Et non. Ça, c'est pas cool. Donc, en fait, les nitro-poissons... Ouais, je sais pourquoi on peut pas les faire passer, les autres, là. Ouais, à mon avis, ils n'auront pas encore réapparu. Là, je vais mourir. Non! Pitié. Oh là là. Attends, on va se mettre le lit, hein. Oups. Et voilà, et pas de poisson. Alors, est-ce qu'ils réapparaissent au bout d'un temps? Ça, on sait pas, en fait. Et je peux pas rester comme ça, de toute façon. On va attendre un petit peu, on va voir. Ils réapparaissent pas, hein. J'ai pas de bombe, on est d'accord, hein. J'ai rien qui ressemble à... Trouilleur. J'ai rien du tout qui permet de péter ça, en fait. Hein. Ah, mais si, en fait. Bah, je les ai, les nitro-poissons. Ah, bah voilà, bah non, mais oui, mais ok. En fait, je les ai depuis un moment, quoi. Comment on les pète? Faut que je les stimule. Alors, attends, comment on les stimule? Ok, c'est bon. Ah, papa, faut que je me barre. Ok, c'est ça. Bon, en fait, je les aide depuis un moment, donc voilà, c'est pour ça. Je pouvais rester longtemps, hein, comme ça. On fait ça, en fait. Voilà. Et là, je me... Ah non, mais... Je m'en aille... Je sais pas gérer les trucs pour l'instant. Attends, on va se noyer, là. Donc, je les avais, en fait. J'ai dû les prendre lors de la dernière partie, et j'ai pas fait attention. Et voilà le résultat. Je les avais pris. C'est pour ça que quand je les tuais, je les reprenais pas, quoi. Donc en fait, j'avais de quoi avancer, hein, dans l'autre truc. Mais c'est pas grave. Oula.
Non, ah, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ça va. Ça s'est pas trop mal passé. Peut-être que je fasse péter un truc, hein, j'ai pas compris. Faut que je m'en approche, en fait. Voilà, là, on les stimule. Il faut juste les tous les tuer. Je pouvais attendre des heures, en fait. Hein. Ça, c'est le problème quand je joue pas pendant une semaine ou plus. Là, on pourrait peut-être choper une petite araignée. Faut tirer ou pas? Faut tirer ou pas? Is, ça marche pas. Donc ce qu'il faudrait là c'est... Ah mais si, peut-être avec la bombe en fait, tout simplement. Est-ce que j'ai fait quoi comme bêtise hein? Attends, bon là on va mettre comme ça. Oh bravo. Magnifique. Attends, je vous laisse l'araignée. Alors, tu l'as. Évidemment. Tu vas tisser ta toile. Elle veut pas tisser. T'as pas une envie de pisser. T'as pas une petite envie de tisser là, allez, s'il te plaît. Non, elle veut pas. Bon bah elle veut pas, elle veut pas. Hein. Là je pense qu'il y a un truc avec ça. Mais comment on va faire? On va monter. On va pas passer 10 ans sur chaque truc. Ah mais non! Attends, on va faire ça. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Passer par là. Bon bah c'est parfait. Bah, maintenant qu'on sait qu'on a les bombes, on va pouvoir aller au sanctuaire en fait. Finalement. On va pouvoir utiliser le pilier en récupérant un peu les PV. Oh, bravo ça. Donc on va pouvoir reprendre là où on s'est arrêté. Parce que alors il n'y a rien de pire que de couper le truc en cours là. Parce que si je le fais pas là, après je vais oublier. En plus si je rejoue que la semaine prochaine, là, je vais être mais complètement paumé. Alors attendez, c'était par là. Oui, on pouvait passer par là, c'est ça. Merde. Ah j'ai pas pris mon plumard. Je vais me faire démonter. Non. Mais tu vas le tuer, oui. J'ai perdu la moitié des pièces. Voilà. On va poser notre petit lit. Petit dodo. Voilà. Maintenant, on peut se balancer avec ça.
Ah mais non! Je le fais exprès, hein. On dirait. Merde, il est remonté, cet imbécile. Laissez-moi tranquille. La tête du poisson, elle m'éclate. Il va l'attaquer ou quoi? Perfecto. Allez, il nous en reste plus qu'un. Ah, on a un truc à aller chercher là. Oh, il est rigolo, oui. Oh, c'est lui qu'il faut. Il m'a un peu écrasé la tête deux fois, cet imbécile. Oh my god. Imbécile. Attends, on va lui mettre des trucs dans la tronche. Toi. Voilà. Oh le petit malin. Tiens, bah, on va faire ça aussi. Je fais exprès, hein. D'être nul ou quoi? Allez. Ah, je peux pas là. Ah, je peux pas. Je peux pas non plus. Ah, voilà. Je peux pas non plus. Bon, bah, tant pis. On va lui rebalancer le truc sur la tronche. On va faire ça. Dommage, c'était pas loin. Oh, mais il a un cul. Incroyable. On peut lui en envoyer deux peut-être. Non, non, ça va. Il a un peu touché, je crois. Là. Voilà. Ah mais il ressort direct en fait, du coup j'ai pas le temps d'explorer tout, c'est pas grave. Tant pis. Il faudrait que j'aille augmenter ma puissance aussi. Je sais plus où on le fait, mais... Ah si, c'est, je crois que c'est un des vieux au début, là. Dans... C'est pas Impa, mais c'est le frère d'Impa ou un truc comme ça. Et c'est reparti. Mmh.
Non. Ah, elle va jouer de la musique, ça va l'apaiser. Ah oui, son papa, il pensait même pas lui faire de la musique pour la calmer. Vers le sud. Bah oui, il est parti là, à mon avis. On va y aller. Alors, je sais pas si j'entame le sanctuaire là ou si je le fais plus tard. Peut-être parti par là. Entrée là.
pas si je l'ai le. Lui, le coloquinte là. On a eu, il va pas survivre lui. Hein. Oui, c'est ça, il survit pas. Donc on peut essayer ça. Non, je l'ai peut-être déjà là. Parce qu'on est déjà passé là. Mais oui, je suis là, moi. Non, elle veut pas, la petite, là. C'est moi qui l'ai sauvé, hein, c'est pas de rad. Hein. Ah, il va lui chanter un petit morceau de sax. Accès au sanctuaire. Eh oui, un peu de musique pour le grand Jabu Jabu. Tout le monde est content. Yep.
Allez, on va avoir droit à un petit concert. Ouh. J'espère que les klaxons vont se calmer là. On profite de la musique. C'est moi qui nettoie pour eux. Ah oui, d'accord, faut reconstituer le... l'hôtel là. Alors, attendez, ça va dans quel sens? Voilà, oui. Ils sont où les autres débris? Ah, ça y est, il y en a un en bas là. Ah mais alors comment on va monter ça là? Ok, comme ça tout simplement. Les petites lampes et tout. Eh oui, s'écoutez pas. C'est ça la musique, hein. Faut s'écouter aussi. Allez-y. Oula, je sais pas trop s'il est lunaire en fait. Ah, c'est ça, un imposteur, bah oui, c'est le méchant dont j'abuse. Alors bah let's go hein. Ah, ils vont m'aider dans le combat. Oula, oh bah non, évidemment, comme par hasard. Oh là là.
péter. Ah, il a avalé la bombe. Ah oui, mais je peux le taper du coup. Ah là là. Oh, ça picote. Ah là. Ah mince, je suis rentré dedans. Entrer dedans avec la bombe. Oh là. Oh, des cœurs. Ah non, touchez pas à mes cœurs. Et voilà. Encore une histoire de faille, du coup, c'est pas encore le sanctuaire. Oh mince. Ok, faut passer par là. On monte. On peut peut-être poser un...
Ça va pas le faire là. Oh zut alors. Passer par là aussi, je sais pas le mieux là. À moins qu'on utilise l'araignée, peut-être. Attends. Ou l'araignée, ou. Non, ça va pas arriver, il va pas y arriver. Lui. Donc, ça va pas l'air très motivé là pour ça. On fait, on passe là, oui. Ah, le méchant, est-ce qu'on peut essayer ça? Très bien ça. Allez mes corbeaux. Là, c'est quoi mémoriser là? Non, pour faire des cubes d'eau. Cool. Donc là, on peut faire des cubes d'eau. Donc, salut les cubes d'eau. Alors, faut le mettre à pro... faut que ça soit adjacent déjà un cube d'eau existant en fait. Alors là, on n'a pas d'objets à récupérer, hein. C'est vraiment juste. C'est pas une faille comme tout à l'heure. Attention, on va être obligé de ressortir les... Qu'est-ce qu'on ressort là? On peut essayer, tiens, un petit mobline à épée là, ça va les calmer. Là on peut descendre, non? Je sais pas ce que ça fait, mais... envie d'aller là quand même, hein. Non? Ah, c'est... Youp là, on va essayer ça. Ouais. Thank you.
Oh là, ouais, c'est bon. Je me suis fait peur. Ah, on peut passer là, ça va. Il y a peut-être un truc planqué. Il y a sûrement un truc planqué. Ah, c'est pas le truc le plus malin que j'ai fait, à mon avis. Il va, ouais, il va falloir qu'on se retape le truc, je pense. Eh oui. Et oui, en fait, c'était pas très malin. Là. Mais je peux pas en faire. Là. Ah si. Attends, on peut quand même refaire un cube d'eau. Donc ça veut dire que je peux le remettre là. Alors. Attends, je vais le mettre là. Attention, remonter ça. Est-ce que je vais pouvoir y aller par contre? La grosse question. Ah, on peut faire ça peut-être, comme ça, voilà. Passer là. Ah, on doit pouvoir passer là. Je suis en train de repasser là, alors qu'en fait, il y avait peut-être des trucs à visiter hein, de l'autre bord. Hein. Je trace un peu là. Ouais, c'est ça, j'ai oublié des choses. Ah, il y avait un coffre là-bas. On va aller chercher le coffre, hein, quand même. Ça doit être juste des rubis, mais voilà, ça vaut le coup. Et donc on peut passer par là, peut-être. On va pouvoir passer par là. Parce que là on pourra pas monter d'un coup, mais là on peut passer par là. Par ici. On peut retomber même, je pense. Voilà. Oh, mais non, Pourquoi ils sont tous tombés, en fait, d'un coup, là. Ok. Voilà. Ok, bon, on fait ça. Quand même, c'est pas mal. En fait, j'ai même pas utilisé de potion. Là, en fait, on devrait utiliser des popos. Et je le fais même pas. C'est un petit peu. J'ai envie de dire, le. Bah, c'est ce que je craignais un petit peu sur le jeu. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de choses qu'on réutilisera plus, qu'on va utiliser qu'une seule fois. J'ai un petit peu peur de ça, quoi. C'est un petit peu le souci. Inhérent à plein de jeux Nintendo maintenant. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'idées partout, tout le temps. Voilà. Et en même temps. Oula! On peut essayer de par là, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Non! Mais oh, mais c'est pas vrai! Faut qu'on le bute, hein. Ça va trop énerver, lui. Trop la tête. Voilà.
Et ouais, donc j'ai peur qu'il y ait plein de mécaniques de jeu comme ça qu'on ne retrouve plus après, quoi. Alors c'est vachement sympa parce qu'on l'utilise, mais en fait... Disons qu'avant, il y aurait eu des mécaniques à débloquer, et après, il aurait fallu combiner toutes ces mécaniques pour avancer. Alors que là, il y a des mécaniques qu'on réutilisera plus jamais. Secours. Attention. Et ce qui fait que ben voilà, en fait, d'un donjon à l'autre, on n'utilisera pas d'anciens. J'ai peur qu'on n'utilise plus d'anciennes mécaniques de jeu après. Pas de pousser, ouais. J'ai dit là. Je peux pas remettre là. Voilà. Mais bon, j'espère me tromper, hein, mais. J'ai l'impression. Du coup, ça fait des jeux où il y a plein de superbes idées. Mais qu'on exploite qu'une seule fois dans le jeu, quoi. Ce qui est chaud, ça. On va poser un lit, hein. Voilà. Enfin, ça n'empêche que c'est des super bonnes idées et que le jeu est génial, mais... Les ruines de Jabul, ok. Ah si, ok, c'est le temple. C'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire. Donc là, on a... on a 4 étages, en fait. Hein. Rez-de-chaussée, moins 1, premier, deuxième. Bah, c'est cool. Alors, je vais peut-être pas le commencer là, parce que ça peut durer un petit temps. Salut! Oh, salut Vincent! Bienvenue! Bienvenue, merci pour ton raid! Et j'espère que vous allez bien. T'étais sur quoi? T'étais sur quoi de beau? On va reprendre un peu d'oxygène. Ah, Sifu! Ah oui, j'ai vu qu'il était dispo sur le Game Pass. Mais bon, pas le temps d'installer, toi. J'ai installé Ara, hier on s'est fait de... Il est chaud, ouais, il avait l'air... ça avait l'air d'être un jeu un petit peu... sympa, j'espère qu'il restera suffisamment de temps pour que j'ai le temps de l'essayer. Oula. Il a l'air énervé, il va lancer ses œufs là. Oula. Oula là. Là, c'est à moi de jouer. Voilà, mais je suis trop lent. Ah bah ouais, c'est là qu'il faut qu'on prenne notre popo. C'est là qu'il faut qu'on prenne la popo. Hein. Vitesse de nage augmentée. Allez, on se dit, ah mais non, dépêche-toi. Voilà, c'est mieux ça. Et salut Ezekiel. Voilà, c'est un peu mieux avec cette vitesse de nage, par contre on est un peu lent quand même.
Ah là là, aïe aïe aïe. Ça chauffe. Hein. Ah bah super. Mario. Bon ça va, rien de méchant. Discrète. Est-ce que je peux aller dans l'eau avec? Ah ça pète. Bon ça pète hein. Bah lui casse tout. Bah tiens, on va te mettre dans l'eau. Ouais donc bah peut-être qu'un jour j'essaierai Sifu. Ça pète tout en fait, ça s'en fout de ça. Allez, on s'en fout les monstres là. De toute façon, on les assoit. Ah, c'est quoi ça? Il y a un truc là. Ah non. Sinon, c'est de la déco. C'est juste de la déco. Et donc, t'as apprécié ou il est chaud et du coup. Du coup, t'as plus envie d'y jouer? Ou c'est de la difficulté mais motivante? Parce que des fois ça peut être de la difficulté juste parce que c'est mal réglé, c'est pas très jouable, il y a des scènes de plateforme à la con faites par des gens qui savent pas forcément gérer ça, enfin voilà quoi. Des fois il y a des jeux difficiles pas parce qu'ils sont bien dosés au niveau de la difficulté ou parce qu'il y a un challenge, mais juste parce que bah... Ok, là c'était le truc. Un Zelda où on joue Zelda, n'importe quoi, ils ont fumé chez Nintendo. J'ai envie de dire enfin. Et j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, hein, sur le fait que malgré le fait qu'il y a eu quelques gros influenceurs qui en aient fait un peu le teasing, mais derrière ils y jouent pas, ils considèrent que c'est un petit jeu quoi, genre un petit jeu indé, alors que c'est un jeu qui est plein d'idées, qui est génial. Et après, voilà, c'est les mêmes qui se plaindront d'avoir toujours les mêmes jeux, en gros AAA, mais qui passent pas de temps à s'amuser à ça. Alors attendez. Ok, il va falloir ramener de l'eau jusqu'en haut. Oula. D'accord. Donc. Ok, donc ça l'a activé. Non mais je peux pas. Alors on peut mettre la statue de poisson par exemple. J'en ai une de statue de poisson. Je sais qu'on en a une, on a un chat, un serpent, mais il me semble qu'on a... Ah non, on n'a pas de poisson, on a le faucon éléphant. On a qu'à essayer ça. Je sais pas si ça va fermenter plus, je pense pas. Sinon je me demande depuis longtemps, il y a une vraie plus-value au remake Switch de Link's Awakening? Bah aucune idée, parce que moi j'y ai pas joué. Parce que comme Link's Awakening, moi j'en avais fait la Solus. Dans Nintendo Player, et donc voilà, j'avais pas spécialement envie de me replonger dedans en fait. Et peut-être à tort, hein, parce que il semblerait que le remake est vraiment chouette. En fait, c'est le même moteur graphique que ça. Ah, et si on bouchait avec le... On peut boucher le trou, là, quoi. Bon, il s'en fout, apparemment. On va voir ça plus tard. J'ai fui le jeu parce que je déteste la nostalgie commerciale. Bah, je comprends, moi, c'est un peu pareil, hein. Puis, justement, quand tu vois que Nintendo... Autant ils ont fait un super boulot, apparemment, sur Link's Awakening. D'ailleurs, ce jeu-là, c'est le même moteur graphique. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, qu'on pourrait... S'ils avaient la volonté, on pourrait avoir un nouveau Zelda tous les 2-3 ans. Parce que moi, ça me gênerait absolument pas qu'ils reprennent le même moteur graphique et qu'ils nous en fassent d'autres. Qu'on soit pas obligé d'attendre 7 ans ou 8 ans pour avoir un Zelda à chaque fois. Mais au-delà de ça, le problème, c'est qu'en plus, ils sortent un Zelda et ils font la chasse aux émulateurs, tu vois. Et ça, c'est un peu énervant quand même. Tu te dis, voilà, eux, pour eux, hein, le jeu vidéo, c'est pas,
Voilà, on s'en fout de la préservation, ah lolo. On s'en fout de la préservation, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir réutiliser nos licences comme on veut, pour voilà, justement, fonctionner sur, sur la nostalgie. Quoi. Et ça, c'est un peu énervant. Voilà, après avoir un nouveau Zelda avec un moteur comme ça, moi je dis oui complètement. Hein, ça... Ah, il l'a bouffé. Boum. Super, on va l'avoir. Même si je mets un petit bémol là-dessus, pardon, c'est que on retrouve un peu là les travers des derniers jeux Nintendo, hein. C'est-à-dire que on a des mécaniques de jeu exceptionnelles, super intéressantes, innovantes et tout ça, mais qu'on joue peu, c'est-à-dire qu'on va pas jouer tout le temps. On va les faire une fois, et bien souvent ce qui se passe, c'est qu'après, quand on continue le jeu, on retrouve plus ces mécaniques, on a plus besoin de les utiliser. Et du coup, on se retrouve avec des inventaires de fou, parce qu'on a plein de trucs qui évoluent, et... mais on va peut-être rarement, voire peut-être jamais, réutiliser les choses. Ce qui fait que, en termes de gameplay, en fait, ça rajoute pas de la complexité, hein, puisqu'on revient jamais sur quelque chose qu'on a déjà fait. C'est un petit peu comme ce qui s'était passé sur Paper Mario. Où, en fait, moi j'avais été très déçu, parce qu'il y avait des idées magnifiques. Mais qu'on exploitait qu'une fois et qu'on revoyait plus jamais après dans le jeu. Quoi. Alors que moi, ce qui me plaît dans un Zelda aussi, à l'origine, hein, c'est le côté Metroidvania. Quoi. C'est, voilà, t'as besoin du bracelet pour ouvrir, pour porter les pierres, t'as besoin des bombes pour ouvrir des... Voilà. Et après, une fois que t'as tout récupéré, tu te débrouilles. Et là, en fait, malgré tous les objets qu'on récupère, et toutes les capacités de gameplay qui s'offrent à nous, j'ai vraiment cette sensation que ça ne bougera pas beaucoup au blanc. C'est-à-dire qu'on va découvrir à chaque fois des nouvelles mécaniques, et ça va être super drôle et super sympa à jouer, mais qu'on n'exploitera pas forcément beaucoup. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Évidemment, ça oui, par contre. Sauf que ça n'ouvre pas la porte quand même. Ah, mais il y en a en bas. Oh, dis donc. Bah oui, mais ça va pas marcher ça. Mais si, ça va marcher en le levant. Aïe, en fait, j'aurais dû éteindre le truc. Je peux l'éteindre ou pas? Attends, non, on va pas l'éteindre. On va poser un. On a qu'à poser un. Voilà, on n'a qu'à poser ça, ça, et puis ça. C'est une forme de préservation d'un certain point de vue. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mince. Attends, on va mettre pas comme ça. Non, on va mettre les tables alors, peut-être comme ça. Attends. Après voilà, moi je trouve que franchement il est de très bonne qualité ce Zelda, il est franchement très très chouette. Alors attends, on a un petit souci.
pas le mettre là. Ah si, on peut le mettre là par exemple. On va virer la table peut-être. Je peux pas la virer, évidemment, je suis pas au même niveau. C'est pas grave. Non, ça passe pas. Il nous faut un autre truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une caisse, peut-être. Mais les caisses, je sais plus. Va-t-elle flotter ou pas? On va essayer de poser la caisse. Non, la caisse, j'ai dit. Mais non, la caisse, oui. C'est logique, hein, mais... Il n'y a pas un petit truc que je peux... Ah, le lit. Le lit, il va couler, je pense. Je crois que le lit, il coule. Ah non, il flotte aussi, évidemment. Ah non, en fait, c'est pas qu'il coule, c'est qu'il... Bah, c'est logique qu'il flotte en même temps. Alors, la pierre. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre, là? Parce que là, j'arrive pas à le faire passer dessus. Ah mais sinon on a ça, remarquez. On va pas se prendre la tête. Si c'est ça, ça va confirmer ce que je viens de dire en fait. Parce que le cube, c'est un truc qu'on vient de récupérer. Et donc voilà. Ça veut dire que j'ai l'impression que ça va être ça. Ah bah là, ça brûle. Je pensais pouvoir le mettre là, mais. Non, il va pas remonter comme ça de toute façon. Éventuellement, on le met là. Alors, je pense que le rocher c'est bien. Mais il faut un truc pour pouvoir monter sur le rocher après. Ah, bah on a ça sinon. Le trampoline. Si on met trampoline. On va le mettre où, le trampoline? On va le mettre là. Voilà, le trampoline là. Donc là, le trampoline, normalement... Je peux pas le mettre dessus ou quoi? C'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette arnaque? Et voilà. Là, on a le trampeau. Et après, je peux mettre éventuellement la pierre. Et là, ça devrait le faire. Ok, c'est déjà mieux. Ensuite, est-ce que je peux remettre une pierre là? Le problème c'est que là maintenant c'est pas une pierre, il faudrait que je remette le trampeau peut-être. Le trampeau là. On est pas loin mais ça le fait pas pour l'instant. À moins qu'on mette le cube d'eau. Attendez, est-ce qu'on peut mettre le cube d'eau là? Ça, c'est débile le cube d'eau. Parce que là, ça va bouger. Alors peut-être que j'aurais dû mettre l'arbre en fait. Peut-être que j'aurais dû mettre l'arbre. Attends, on va virer tout. Bon, on commence avec le trampeau. Là en fait on a un certain nombre, là on peut poser 4 ou 4 objets je crois, 5 objets. Plus ça va aller, plus on pourra en poser, mais après je peux poser ça. Voilà. Est-ce que je peux poser l'arbre direct? On va tenter l'arbre. J'ai l'impression qu'il va être un peu grand l'arbre. Oh, peut-être que ça passe. Oh merde, j'ai un peu trompé là. Non, évidemment. Évidemment, passe pas.
Donc on peut pas le virer. Ah si, il faut que je le vire comme ça. Donc on va reposer le caillou. Voilà. Et là, j'ai peur que si je mette l'arbre, ça va être trop haut. Alors j'ai une autre idée là, on peut peut-être faire ça, on plonge, on vire ça, voilà, on va mettre l'arbre. Qui est au même niveau, non il est un petit peu plus haut peut-être. Non, oh là là. Donc, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je peux encore poser un truc là. On y est presque. Hein. Est-ce que je pose le caillou? Le caillou, j'ai peur qu'il soit un peu gros. Non, ça peut passer peut-être. Et voilà, c'est bon. On l'a sorti. Okay, c'est ça. Il va falloir en fait allumer, activer encore 3 interrupteurs après pour pouvoir monter jusqu'en haut. Vous voyez le truc un peu plus à plus de pêche, là, plus de puissance. On va se poser un petit plumard, là. On va récupérer des PV. Mais franchement, hein, voilà, en tout cas, très bonne mécanique de jeu, je trouve, sur ce Zelda. Et sincèrement, j'aimerais bien qu'il puisse nous en proposer d'autres. Même avec Link, hein. Enfin, parce que celui-là, il est un peu considéré toujours autant la galère, le temple de l'eau. attendez. Hop. Ok, je suis remonté là, en fait. Et donc, il y a peut-être un accès... Ah, voilà, il y a un accès ailleurs aussi. Mais après, ce qui est bien, là, c'est qu'on a des vrais... On a des vrais sanctuaires, on a des vrais temples. Donc ça, c'est quand même chouette. Hein. On se met là. Take this, Breath of the Wild. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'univers, t'as énormément de références. Il y a plein de références graphiques à Breath of the Wild. Puis dans le look aussi hein, des personnages. Donc, on sent qu'on est dans le même univers. Mais effectivement, il y a ce côté. Quand même. Je me suis planté. Oups, là, et puis on va en mettre un là. Il y a un côté moi que j'apprécie beaucoup effectivement parce que l'univers, alors c'est pareil, on peut l'explorer un petit peu comme on veut. Tout à l'heure j'ai réussi à aller en fait. J'ai pas accès à la carte. Ah je suis dans le temple, j'ai pas accès à la carte. Bon bah tant pis. En fait j'ai accédé à une zone avant ce temple là. Parce que j'arrivais pas. Les poissons qui ont des bombes là. Je sais pas pourquoi, je les avais déjà récupérés, mais comme ça faisait quelques jours que j'avais pas joué, j'avais oublié que je les avais récupérés. Et donc j'arrivais pas à passer un truc, je me suis dit, il faut que j'aille chercher des poissons, il faut que j'aille chercher des bombes quelque part. Du coup je me suis vachement baladé, et puis j'ai découvert une zone de jungle
dans laquelle on ira après, quoi, mais on peut déjà, je pouvais déjà y accéder, en fait. Il est où, mon corbac? D'ailleurs, j'ai récupéré comme ça, voilà, le Batraverse, Hydrozol et Edgy, qui sont des monstres. Voilà, il est là, mon corbac. Et on les aime bien, les corbeaux, parce que... Oups là! Ah, il est pas mort encore. Ah bah voilà la carte du donjon. Du coup, on a la carte du donjon. Du coup, je suis là. Mais voilà, en tout cas, vraiment très très bonne surprise. Une table. Ouh là là. Ouh le méchant. Aïe. Alors là on a plusieurs solutions. Faut pas paniquer. Qu'est-ce qu'on va sortir comme bestiaux? On va déjà sortir ça. On va voir s'il est capable de les attaquer. Ouais ouais super. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'en plus, on récupère plein de... Le corbeau, c'est génial, on récupère plein de rubis avec. Hé, hey, laisse-moi que passe. Oh, merde. Oh, putain, j'ai mal. Il m'a croqué. Ah bah oui, on va réessayer, du coup, un petit peu. J'avais pas prévu de le faire en entier, là, le... Attendez, où est-ce qu'on est, là? Ah oui, voilà, le bordel, là. Ah, voilà. Ouais, voilà. C'était par là qu'on attend. J'étais pas passé par là. Ah si, on est passé par là. Ça, le problème, c'est que là, maintenant, si je lâche maintenant, si je coupe le stream tout de suite, je vais peut-être jouer encore une demi-heure. Parce que après, sinon, à quelques jours d'écart, si je rejoue dans une semaine, je vais être paumé. Of the Wild, d'ailleurs, j'y ai à peine joué, je crois les open world me font peur. Ben, moi, en fait, j'étais prêt à lui redonner une chance, parce que TOTK, en fait, j'y ai quand même... J'ai quasiment terminé, je l'ai pas terminé encore, il me reste des petits trucs à faire dans le jeu, mais je peux quasiment aller au boss. Et ça m'a un peu réconcilié, en fait, avec... et je me suis dit, il faudrait que je redonne une chance à Breath of the Wild, parce que c'est pareil, j'y ai joué, mais voilà, au bout d'un moment, je l'ai lâché et j'y suis revenu 2-3 fois, mais à chaque fois, j'y suis revenu en on recommence le jeu à zéro, donc ce qui n'était pas une super idée, en fait. Le jeu est trop grand et trop gros pour ça. Oh là là. Attention, on va se faire bouffer. Encore me faire bouffer. Hein. Là, il me fait 3 coups. On a rien de temps. C'est très mauvais ce que je fais. Là. On va se reprendre un. Vous savez quoi? On va se reprendre une petite popo là que j'ai concocté là. Voilà. Comme ça, je serai plus rapide déjà.
On va se taper les requins comme ça. Ah si on peut hein, parce que je suis pas sûr que... Je les ai blessés tout à l'heure pourtant. Mais j'ai pas pu les récupérer là, leur transformation. Je suis pas sûr que je les blesse, si je les blesse un peu parfois. Parce qu'ils sont toujours là hein, les trois. Voilà, là on peut là. Super. Et donc voilà, en ayant joué pas mal à Tears of the Kingdom en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que dans Tears of the Kingdom, finalement, pendant très longtemps, j'ai quasiment pas utilisé de construction. C'est pas un truc qui m'a... Voilà, j'ai commencé à le faire au bout d'un moment. Et j'ai pris mon pied là-dessus. C'était vraiment sympa. Mais je l'ai pas fait pendant très longtemps. Et je me suis dit, en fait... Breath of the Wild, je jouais à Teoteka un peu comme on jouait à Breath of the Wild finalement. Et c'était pas du tout désagréable. Et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je leur laisse une chance un jour. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un jeu. Ils sont quand même très longs. C'est des rythmes très lents. Et ça c'est un truc qui a peut-être changé sur les Zelda. Et le fait que ça soit en open world, ça amplifie ce côté-là parce que le rythme est lent. On va sortir le requin peut-être hein. On va prendre la tête comme ça. Et là il les défonce tous hein. Et ouais, peut-être que ça amplifie ce côté aussi le côté lent avec un grand open world, tout ça, ça rend le jeu un peu presque effrayant effectivement, un peu trop quoi. On va sortir les bulles d'eau. Yep là. Hop hop hop. J'ai eu peur. Attends, par contre, faut que je m'en occupe d'eux. Hein, parce que là, sinon, on va pas être copains. Là. Allez, frappez-le. Toute façon, là, il faut qu'on vire aussi l'autre truc. Là. Attendez, là. On va déjà s'occuper du pépère. Hein. Voilà. En plus, les corbeaux ils récupèrent le matos là. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'on peut le mettre lui? S'en fout, on va aller voir là déjà. On peut passer par là. Ah bah oui, on a un petit coffre à aller chercher là. Allez, go. 50 rubis. Bah écoutez, on commence à être pas mal hein, parce qu'on a du matos à acheter. On peut passer là, hein, j'ai l'impression. Mais oui, regardez-moi ça. Et là, on peut passer là encore. On peut passer sur la corde. Oui, c'est par là qu'il faut passer d'ailleurs. Là, j'ai envie d'aller voir parce que quand même, c'est. Non, on peut pas. Bon, on va passer sur la corde, hein, tranquille. Cool. Oui, vous allez voir les pépins. Hein. Ils peuvent les attaquer ou pas là? Ben non, c'est pas top. Hein. Donc c'est quoi? On va sortir le gros pépère là. Mobline. Aussi, t'as vu Ocarina of Time Remake par Crisen X ou US? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah, après, il y en a plein. Hein. Enfin, vraiment, c'est un exercice en fait hein, de faire des remakes avec des moteurs comme ça. Bon, le problème, c'est que voilà, on sait très bien que Nintendo laissera jamais passer ça. C'est une catastrophe. Ils sont insupportables hein, par rapport à ça. Je les trouve détestables en fait. On récupère de l'algue. Allez, on y va. Attaque! C'est incroyable qu'il n'ait pas encore été
Season D6 par Nintendo. Écoute, en ce moment, ils s'occupent beaucoup des émulateurs, malheureusement. Donc, voilà. Ils s'en occupent beaucoup trop. Hein. C'est, en fait, ils font une espèce d'offensive. Alors, ça a toujours été un peu comme ça, mais là, on sent que c'est de plus en plus fort. Ah, on peut passer maintenant. C'est... Il nous en reste plus que deux à ouvrir. Et donc, oui, c'est énervant. C'est énervant. C'est énervant et pour moi ça entache vraiment leur image. C'est mais quand même pas, mais voilà, mais comme beaucoup de gens, pas au point que la prochaine Switch je l'achèterai pas. Enfin, pour l'instant c'est pas dans mes plans, mais j'attends de voir ce qu'ils vont proposer. J'attends de voir ce qu'ils vont proposer. Quoi. J'attends de voir les jeux. Voilà, si c'est juste une Switch plus plus, je suis pas sûr. D'ailleurs, ils ont fait fermer. Ils ont fermé Citra, il me semble. Mistra VR vient de sortir en 0.5. Citra, je connais pas. Là. Je sais qu'il s'était mis sur Ryun, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y avait le Yuzu hein, qu'ils ont fermé. Et puis, on va passer là déjà. C'est là. Ouais, mais ça suffira pas, par contre. Ça sera pour plus tard, c'est pour partir, mais là on a d'autres trucs à voir ici. Ah, c'est un émulateur 3DS, ok. Non mais voilà, mais ils sont insupportables hein, à s'attaquer aux émulateurs. On en parlait tout à l'heure, de toute façon, je le disais en début stream aussi, ça... C'est une catastrophe. Ce qu'ils font contre la préservation, c'est absolument horrible. Mais en fait, ils font partie de tous ces éditeurs qui considèrent, comme au début de l'industrie, hein, d'ailleurs, que le jeu vidéo n'est pas un produit culturel du tout, c'est juste un produit de consommation. Et un produit de consommation, ça a une durée de vie limitée, ça, voilà, c'est pas prévu pour être joué, utilisé 30 ans après, voilà, tout simplement. Je le prenne là. Voilà. Et donc là, en fait, c'est vraiment deux philosophies qui se confrontent, quoi. Parce qu'il y a plein de gens hein, pour qui le jeu vidéo n'est pas un outil, n'est pas un produit culturel. Hein. Pour plein de gens, je pense, le jeu vidéo, voilà, c'est quelque chose que tu consommes comme ça. Qui aujourd'hui rejouera à Pong, toi ? Personne. Personne en fait. Est-ce que toi t'auras envie de rejouer à Space Invaders? Non. Mais est-ce que pour autant il faudrait que Space Invaders n'existe plus? Tu vois, c'est comme si on disait bah, les créateurs de. Les gens qui ont fait les premiers Space Invaders ou ceux qui ont encore des droits dessus diraient bah non, on ne vous autorise pas à refaire des jeux Space Invaders parce que on peut peut-être ressortir un remake un jour. Alors si on sortait un remake de Pombe, je crois qu'on s'en foutrait un peu quoi. Et c'est un vrai souci quoi en fait, entre effectivement une partie du public bah, qui s'en moque parce que pour eux ça a pas vraiment d'importance quoi, c'est comme tu vois
y a plein de gens qui n'ont aucun intérêt à voir par exemple des films anciens. Voilà, ça les intéresse pas du tout. Donc, comment on va faire avec ça? Du coup, peut-être. Ah, on pète tout, hein. Un peu de mode bourrin, hein. Donc, et ça se comprend. Ça se comprend. Mais là, on a l'industrie, elle, qui suit ce mouvement-là, quoi. C'est-à-dire que pour elle, un jeu des années, début des années 80, on s'en tape. Je crois qu'on va sortir le petit requin, hein. Trop puissant le requin. Voilà. Excellent. Ah, c'est bon, hein. Il est mort un peu là. Allez, attaque! Je le tiens. Alors, petit test. Non, il faut bien mettre poser quelque chose dessus. Ah, je peux pas le prendre. Ah, si, on peut le prendre comme ça peut-être. Ouais. Alors après, je sais pas si dans ce jeu on va avoir des temples aussi complexes, aussi difficiles que ceux qu'on avait pu connaître sur Link to the Past. Alors, on passe à voir là. J'en ai pas non plus la sensation, quoi. J'ai l'impression qu'on va de toute façon rester sur quelque chose d'assez simple. Bon là c'est le troisième. C'est le troisième. À la limite j'ai plus bloqué sur certains passages du premier ou du... On va déjà voir ce qui est ouvert naturellement. Ok, là c'est pour sortir là en fait. Mais d'ailleurs il faut qu'on passe nous. Hein. Ah oui, il faut qu'on passe. Ouais. J'étais prêt à réexplorer toute la zone là en fait. J'ai bien fait de pas le faire. Ouh, c'est rigolo ça. Tchac. Un petit coup de Frogger. Alors, merde, pardon, trompé, c'est pas ça que je voulais mettre des trucs comme ça, voilà. Oups, hop là, crotte 2, je suis pas très bon là pour sauter comme ça, hein. Ah mais non, pour ça je me trompe en fait. Sauter comme ça, ça avance pas des masses, mais oula, il faut qu'on fasse autrement. On va sortir les blocs d'eau peut-être aussi. Oh bien, il m'a en plein dans la tronche. Est-ce que je peux m'approcher là comme ça? Pourquoi il veut pas? Ah, il veut pas!
Ah, parce que c'est un courant. Ok. D'accord. Ok, ok, bon, d'accord. D'accord, d'accord. Du coup, là, on peut lancer... comment c'est déjà? Il y a un truc qui est pas comme ça. Là. Je le retrouve, ouais, c'est lui. Rafalou. Raté, Rafalou. Hein. Raté encore. Mais je suis pas du tout au bon trou, ou voilà. Voilà. Ok, il y en a un autre à faire là-bas. Bravo ça. Putain, mais... Il y en a forcément encore un quelque part. Ah là, raté. Il y en a un quelque part. Hein. Je sais pas où il est, mais... Ah, il est en bas. Est-ce que ça va marcher avec Rafalou? On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, on va peut-être lancer du poisson. Hein. Oh là, c'est dur, il y a le courant. Crotte de bic. Ok, alors on va lancer. On va lancer les bombes. Hein. En fait. Mais ça marche pas. Elle coule pas les bombes là. C'est pas cool ça. Alors on va lancer le rocher. Là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va les attaquer? Non, il attaque rien. Là. Il est en train de me défoncer les trucs, c'est tout ce qu'il fait. Remonte. Ah, c'est chiant. Mais non. Attends, est-ce que je peux le lancer là? Voilà, déjà mieux ça. Allez, dépêche-toi. Il les a... C'est bon, il l'a touché? Il l'a touché, ouais. Il en reste encore un, je pense. Ça n'a pas ouvert, j'ai pas entendu le petit bruit là. À moins que... Non, ça va. Il y en a encore un. Ah bah il est là. Ok. Remonter hein. Peut-être qu'on peut monter comme ça d'ailleurs, on va essayer. Mais ça marchera pas. Mais ça marchera pas parce que il y a du courant. Bah on va y aller avec le corbeau, ça va. Le problème du corbeau, c'est que je ne sais pas le diriger. Et je sais pas si on peut le diriger. J'ai l'impression qu'on peut le diriger, mais j'ai essayé plein de trucs, je sais pas le faire. Donc c'est au petit bonheur la chance. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs que j'ai, où j'ai coincé un peu au début, à cause de ça. Il y a des moments, il se met à aller en hauteur. Mais franchement, c'est très aléatoire. Alors, à moins qu'il y ait un truc que j'ai pas compris sur le corbeau, et bon, voilà. C'est possible, hein. C'est le seul où je sais que je peux aller à des endroits avec ça, mais j'ai l'impression que... Voilà, ça va pas le faire, quoi. Il remonte pas en fait, et je sais pas comment le faire monter. J'ai aucune idée de ça. Bon bah d'accord, il y allait tout seul. Voilà, c'est hyper bizarre quand même. Est-ce que tu veux bien me faire monter? Voilà. Ah mais non, mais il en reste encore ou quoi? Ah oui, il est là-bas. Pas de soucis, on va passer là. Bon, on va passer comme ça, hein. Ça doit passer, normalement. Puis là, on va sortir...
Le petit Zelda, il a tout pété. Voilà. On va sortir le gros pépère. Hein. Truc là. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc. Mais non. Bon bah finalement on va peut-être aller au boss. Hein. La grande clé, est-ce qu'on a la grande clé? J'ai même pas fait gaffe, non, on n'a pas la grande clé, si. Attendez, si on l'a prise tout à l'heure, je crois, je sais plus. J'ai carrément un gros souci là. On l'a pris ou là? On l'a où là? J'ai un doute. Tout à l'heure, on a ouvert un super. Mais on parlait en même temps, je parlais. J'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des trucs qu'on n'a pas exploré encore, ça peut-être. Là, on a peut-être pas exploré là. J'arrive pas à savoir si on a exploré ou pas ça. Si pourtant. Si, ça on a exploré. Oui, c'est là on a exploré. Alors est-ce qu'on a eu la clé? Je me souviens pas. Par contre j'ai un trou. Pour aller là en fait, il faut aller là. Attendez, voilà. Voilà. Ah, on peut y aller comme ça maintenant, c'est bon. Alors j'ai la clé ou pas? Ah oui, j'avais la clé. C'est le gros coffre en fait qu'on avait récupéré ça. On va sortir le petit plume. Vortex. Alors, est-ce qu'on sortirait pas direct le requin pour voir? Il a démonté là, mon truc. Oh, je suis tout lent. Ah mince, j'ai fait une capture. Je voulais bouffer ma... Ça dure qu'une minute, hein, mon histoire, là. En fait, il va peut-être falloir que je commence à faire des popos, des machins. Oh mince! J'ai complètement oublié! Attends! C'est con! Je zappe tout! Bon filmé! Ah, on peut tirer! Ouah, poupe là! On peut le faire comme ça.
fait, on l'aggro avec ça. Hop, 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 non, pas juste, pas juste. Ah, encore moins juste. Ah bah il dort. Allez, go. Un petit cœur, un petit cœur, un petit cœur. Vite, on va le péter. Ah là là, attention. Ah, c'est reparti pour un round. Pas mal. Je l'ai pas eu. Ouais, en fait, il en fait 3. Tu vas prendre, hein. Ouais. Allez, on s'il te plaît, vite, vite. Oula. Ça va être une bordel, en fait. Il est classe, ce boss, en tout cas, hein. Je l'ai pas eu. Oh là. Attends, on l'a eu, on l'a pas eu là. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça fait rien là. Ah, je fais de la merde. Pardon. Je peux pas. Voilà. Ah, ça y est, j'ai plus de. Je peux plus me transformer par contre, ça sera. Mais non! Pourquoi? Ah bah ouais, mais non, là, c'est... Ah, c'est pas cool. Ok. Alors attends. Là, faudrait peut-être que je sorte. Tiens, on va sortir Bidule. Hein. Et on va sortir Bidule, on a dit, mais. Je suis coincé. J'ai récupéré un petit peu du pouvoir de Link. Voilà. C'était chaud. J'arrive pas. Non, je peux pas en fait. Il tire, c'est tout ce qui se passe. Ah, j'ai eu un petit bout là. Voilà. Ça, ça craint. Ouh le gros. La grosse tornados. Allez, vite, 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 vite. Voilà, je me sens lent. Tellement lent. Il a tout pété. Ah, un cœur. Merci.
Ah, on va passer niveau 4. Ok, donc là on va pouvoir avoir 4, 1, 2, 3, 4. Mais oui, faire plus de choses qu'avant. Ah, en fait ça réduit l'utilisation. Oh, ça commence à quoi, ça va être cool là. Ouais, mais je vais d'abord prendre mon petit cœur. Hein. Allez, c'est parti. Eh oui. Ah, est-ce pas amis? Ça leur plaît pas qu'on dise qu'ils sont amis. Hein. Ils ont trop de pudeur. Ah oui, on veut de la récompense, nous, j'y pensais même plus. Je vais jamais avoir ma récompense. C'est un peu court leur concert, mais c'est sympa. Oui, il est content. Ouais, nous aussi, on aurait bien voulu écouter plus de musique. Je sais pas si on va l'aider, hein. Ils veulent nous attaquer, eux. Ha ha!
Oh la belle blonde, ouais. Eh oui, c'est Zelda. La princesse d'Hyrule. T'as vu un peu l'effet que ça lui a fait, hein. Il lui a juste montré sa crinière et là, hop là. Il reconnaît pas Zelda. Bah non, elle a une capuche. Elle s'est déguisée en Assassin's Creed, là. Ah, faut retourner chez Lou Berry. Eh bah très bien. Eh bah c'est parfait. C'est parfait, parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Il est myope, info sûre. Bon, bah voilà un petit peu la carte là que je... Ouais, c'est cette zone-là en fait que j'ai exploré tout à l'heure, en fait, que je suis pas censé avoir découvert. Mais j'ai réussi à passer en utilisant des objets, à traverser un peu de forêt. Et on a pu se balader un petit peu par ici. Voilà, parce que sinon l'entrée, je sais pas par où elle se fait. Elle se fait probablement pas par là. Mais voilà. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le jeu nous laisse assez libre. Hein, à partir du moment où on peut sauter par-dessus des trucs, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Bah écoutez, de toute façon, moi je vais arrêter là. Je vais vous envoyer. Je vais faire une sauvegarde quand même au cas où. Normalement, ils sauvent tout tranquille. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tac, et puis bon, en tout cas c'était cool, j'ai bien avancé. Je pensais pas finir le... Ouais, je pensais peut-être faire le sanctuaire, mais quand je voyais que ça prenait du temps, tout ça, je me disais mince, ça se trouve, ça va être plus long que prévu. En même temps, j'ai fait un stream de presque 4 heures. Donc voilà. On se retrouve peut-être ce soir, je sais pas, peut-être sur du American Truck ou sur du Arise Story Untold, comme j'ai fait hier, la stratégie, c'était sympa. On verra, ça se trouve je ferai pas de stream, on sait rien. Mais peut-être, voilà, c'est pas improbable. En tout cas, merci d'avoir été là. C'était cool. Et je vais voir chez qui je peux vous envoyer. Qui est-ce qui stream chez les amis? Alors on a Baboulov qui est sur du rétro, Milistéric. Alors c'est l'arma des dons, éventuellement je pourrais peut-être vous envoyer pour du soutien. C'est à l'Arma des dons, c'est un marathon de stream et il récolte des dons pour la lutte contre le cancer, je crois, j'ai pas regardé en détail. C'est des gens avec qui j'ai fait quelques trucs en stream il y a 2 ans. On a moins l'occasion d'échanger en ce moment, mais on suit toujours un peu ce qu'on fait. À un moment donné, moi j'envoyais chez eux, alors c'était pas Arma des dons, mais chez Tu as trop joué et Life is a Video Game, des petites émissions de chaussettes. On a qui en a Water Patate, Vicky Spleen qui est sur je sais pas quoi. Il y a du Throne and Liberty. Je pense que je vais vous envoyer sur Arma des Dons. Peut-être chez Mili. Allez, on va les soutenir. Je sais pas ce qu'ils font là, ils sont en train de faire du react, j'ai l'impression, sur des émissions de télé ou je sais pas quoi, enfin bref. On verra bien, en tout cas on va les soutenir, on va soutenir la cause et je vous dis donc à plus tard, peut-être à tout à l'heure. Voilà voilà, bonne soirée à vous, patate sur SC pour changer. Patate sur, j'ai rien, je comprends pas là, patate sur SC. Allez, on va préparer le raid. Ah ok, Water sur Star Citizen, patate sur S, ok. Allez, je vous envoie chez Milistéric, on leur fait coucou, on leur souhaite de la force, ils ont encore, c'est un stream de 15h hein, qu'ils font, je crois, là, je crois qu'ils en ont à 8h30. Donc voilà, on va les encourager, et puis je vous dis à très vite.